Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 16 octobre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Bon début de week-end à toutes et à tous, au TEP, à toute l'Afrique entière et le monde. Eh bien, vous êtes sur DBS et c'est DBS Matin qui prend son envol. Au cours de cette édition, comme à notre habitude, nous allons encore décrypter l'actualité. Mais n'oubliez surtout pas, les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur est parfois dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Good morning, Mange Venatius. Good morning, Stephen. Good morning to our viewers. This last day, this Friday, 16th of October. Steve, like you were saying, when I listened to that music, Steve, I can really confirm that I listened to it more than 4 times to get the lyrics, and I discovered that there were some of it that were even in English. That I just was taken by the music, and I was saying that this is what we say, music that is well prepared, you see, and this is, in those days we call this is a classical piece. Ouais. It's a classical piece. Très belle chanson, très belle chanson d'ailleurs. It is not this boom boom thing, it's very calm, cool and very, you know, the message is there. You see, somebody who is expressing his desires, if I had much money, I would go to sing in America. Oui, si j'avais. And when he was a young boy, I dreamed to be in America. Steve, so you see. Et peut-être devenir également Buffalo Soldier. Of course. Allez, ça va. J'espère que vous allez bien ce matin. Steve, I'm doing fine. Ok, c'est le dernier jour de la semaine. Bon, enfin, des jours pour le DBS ce matin en tout cas. It's Friday, yes. It's Friday. Yes. Jackson Dior, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs ce matin. Je profite à la suite de Manga Venatius pour dire que la musique, ce sont les œuvres de l'esprit et on n'arrive toujours pas à expliquer la musique. Toujours est-il que quand elle est bonne, elle est bonne. Oui, quand elle est bonne, peu importe la langue. Et d'ailleurs, la langue, elle est extraordinaire. Actuellement. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte très bien, surtout qu'aujourd'hui, c'est vendredi, vous savez que... Ah, parce que c'est vendredi, vous vous portez bien. Oui, oui, on se porte toujours bien le vendredi parce qu'on se défoule, on pense qu'on va se défouler pendant le week-end et puis on va aller avec les amis et tout ça. Et donc, ça compte pour se déstresser un peu. Déstresser, justement, vous avez raison. Et quelque part, j'espère seulement que vous allez passer un bon week-end en dansant. Parce que comme disait justement Claude Barali, MC Solar, bien, il déclare que la beauté du corps sans effort, c'est celle de danser. Mais bon, la beauté du corps sans effort pour nous ici, c'est la revue de presse. Et bien la première partie, c'est en langue anglaise avec Mange Venatius ce matin. For this Friday, the 16th day of the month of October, newspaper headline review takes us to the Guardian, the government-owned Cameroon Tribune, taking an evaluating look on the 2020-2021 academic year. 2 weeks already gone as studies resumed in both the primary and the secondary educational sectors, and now with the higher institutions, both government and private, already in schools. We read on pages 13 to 15 of Cameroon Tribune that a serene atmosphere reigns in the country, though with the health crisis, the coronavirus pandemic. Even in the two crisis regions, the paper tells us that there is that perceptible eagerness for children to go back to school. On page 9, talking about the new telephone tax system, the paper says effective takeoff has been deferred. The exercise to collect 33% tax on new telephones through online payment as from yesterday, October 15th, failed to be effective due to lack of agreement between mobile telephone operators and those in charge of the digital platforms. Then in sports, the paper tells us on pages 30 to 31, effective training begins at the Francois Mbango Institute. The initiative by the 2-time Olympic gold medalist to offer athletics formation to young Cameroonians started yesterday, October 15th, 2020, in Yaoundé. The Guardian Post newspaper on page 3, talking about call for end to crackdown on MRC, tells us that Cameroon government tells off the UN.
The paper says a communication minister and government spokesperson last Wednesday challenged the position of the UN on recent measures taken against the MRC party after September 22nd protest, saying the statement of the UN High Commissioner for Human Rights is one-sided, subjective, and distorted. On page 5, the paper says, Biya recognizes Shea Jones Yembe's selfless service to the nation, raising him to the rank of National Order of Valor. He was decorated by the Minister of Transport, Ngali Bibe Ernest, on behalf of President Paul Biya. On that same story, the Newswatch newspaper says, Biya recognizes and knights Shea Jones Yembe. Then talking about a NAM entrance exams scandal, the paper says, Public Service Minister justifies why quota was not respected, saying, Northerners did not have the intellectual capacity needed to pass the entrance into the prestigious school. Then on page 6, we read of a happy end as Amugu Belinga apologizes to Biya, Mbarga Ngwele and Fang Betis. Then on the race for United Councils and Cities of Cameroon presidency, the paper tells us that Anglophone mayors endorse Yaoundé 7 pair Augustine Tamba. A Mejans newspaper on Cameroon asks why Paul Biya is afraid of a revision of electoral system in Cameroon. The paper examines the views of 10 experts on the issue. Then we take L'Economie newspaper on decentralization, talking about a reflection to promote small and medium-sized enterprises following a working session that has taken place between mayors, parliamentarians, and the Agency for the Promotion of Small and Medium-Sized Enterprises. On page 2, the paper takes the views of Abubakar Abo, the mayor of Belel Council in the Adamawa region, who speaks about the challenges of such an initiative. For papers out of Cameroon, we take the Vanguard newspaper in Nigeria telling us that the Borno House of Assembly on Thursday honored the state commander of the defunct SARS, Commissioner of Police Ibrahim Mohammed, with plaque of honor for his gallantry in the fight against insurgency in the state, accompanied by members of the federal structure in that state. In South Africa, tourism operators, as the Sowetan Life newspaper tells us, have written an open letter to the government begging for a meeting to fix travel regulations that they claim are hampering the industry's staggering economy. The 7-page letter, as the paper tells us, was addressed to President Cyril Ramaphosa and other government ministers concerned, listing numerous concerns around the regulations on South Africa's reopening. In East Africa, the Nation newspaper in Kenya says a report on KEPS move to contract more inspectors of imported goods triggered furious debate in the National Assembly, with a section of MPs accusing their colleagues on scheming to water it down. Then while in Uganda, the Daily Monitor newspaper says the High Court in Kampala has deferred to next week, Wednesday, the delivery of the much-awaited ruling in the ownership contestation of National Unity and Reconciliation and Development Party, which was recently renamed National Unity Platform and handed over to presidential aspirant Robert Kyagulanyi, aka Bobby Wine. The Herald newspaper in Zimbabwe says President Mnangagwa has fired Supreme Court Judge Justice Francis Bere for gross misconduct following recommendations by the tribunal set up to inquire into his fitness to hold the office of a judge. The paper says Justice Bere was fired for interfering with Harare lawyer involved in a matter in which he had conflict of interest. The New Times newspaper in Rwanda says World Food Day, celebrated this October 16th, should be a day to call for concerted efforts to make Africa food secured. We end in Britain with the Guardian newspaper that takes the statement of the mayor of Greater Manchester, who insists that they must not make the North a sacrificial lamb as they are asking them to gamble residents' job on a strategy their own experts tell them might not work. This is in the wake of the surge
of coronavirus cases in the United Kingdom. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this Friday morning. Eh bien, nos confrères de la presse et qui n'ont pas failli à leur réputation. De très belles informations d'ailleurs traitées ce matin. On va retenir la grande une de The Guardian Post ce matin qui note en tout cas l'appel à la fin de la répression du gouvernement camerounais contre le MRC. Il dénonce d'ailleurs l'ONU. On parle bien sûr des Nations Unies. C'est l'information à la grande une de ce journal ce matin. Pendant ce temps, Newswatch nous parle bien sûr du service à la nation. Et bien sûr, Paul Biya reconnaît bien sûr ses chevaliers. Et l'un de ses chevaliers, c'est tout simplement chez Jones Yem, qui a été justement décoré ces derniers jours par le ministre camerounais des Transports. C'est exactement ça, l'information. Et puis, on ne va pas également oublier de Gideon qui nous faisait comprendre ce matin que Manawuda Malachi, parlant du scepticisme contre le vaccin, du vaccin contre la poliomyélite, dit avoir vacciné sa fille de 3 ans. Eh bien, on aimerait bien voir ça. Allez, savoir justement ce qui nous attend. Le temps pour nous de prendre des informations en langue française avec Jackson Diok ce matin. À la une du quotidien Cameroun Tribune, rentrée scolaire et académique 2020-2021 sur la bonne lancée. Deux semaines après le démarrage des cours et au lendemain de la reprise des activités académiques dans les institutions universitaires publiques et privées, une ambiance de sérénité règne sur l'ensemble du territoire national malgré le contexte sanitaire difficile. Même dans les régions en proie aux crises sécuritaires, l'engouement pour un retour des enfants à l'école est perceptible. Le journal fait justement le point en page 13-14 du quotidien Cameroun Tribune de ce jour. À lire dans les colonnes du même journal, plus de 1000 victimes d'arnaques financières ici même à Douala. Le quotidien Mutation qui rappelle le syndrome Mida de Melkis Investis. Le journal nous fait savoir que des milliers de souscripteurs réclament de l'argent à ce projet qui dit être spécialisé dans le trading et la crypto-monnaie. Le gouverneur du centre décide de sa suspension. Le spectre d'une autre escroquerie plane, nous fait savoir le journal. Gabegie dans la gestion du Covid-19, la France donne le ton de la répression, titre le journal Essingan. Alors qu'on annonce des auditions dans notre pays au TCS, le chef de l'État français a déjà enclenché une enquête judiciaire marquée par des perquisitions hier 15 octobre au domicile de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran, du directeur de la Santé Jérôme Salomon, entre autres. Le journal Éco-Santé évoque le CHAN 2021 et la CAN 2022 et nous renseigne que le ministre Santé démantèle les aires de jeu des stades. La descente du ministre de la Santé hier était pour assurer l'effectivité du démantèlement du stade militaire de Yaoundé qui abritait de grosses installations de prise en charge des patients atteints de la Covid-19. Dans la foulée, l'on apprend aussi la libération des aires de jeu des stades de Mbappé-Lépé et Limbé cette fin de semaine. D'après justement le patron de la santé, cette libération des espaces de jeu ne devrait pas être perçue comme la fin de la pandémie du coronavirus au Cameroun. En politique, le quotidien Le Messager indique que le pouvoir veut broyer Kamto. Selon le journal, la réponse du gouvernement du communiqué de presse du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme trahit justement la volonté du régime de laminer le leader du MRC. Le quotidien Le Jour est dans le même sillage de défense des libertés et pense qu'il y a péril sur la fonction d'avocat. Selon le journal, les entraves à l'exercice de la profession dans les unités de police, de gendarmerie et devant les cours et tribunaux prolifère. À la une du quotidien de l'économie décentralisation, une réflexion sur la promotion des PME. En effet, une séance de travail vient d'avoir lieu à cet effet entre les maires, les parlementaires et l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Aboubacar Abo, le maire de la commune de Belel dans la Damawa, parle justement des enjeux d'une telle initiative. Le tribunal le soir parle de la sécurité routière, une opération zéro accident sur nos axes routiers. Le journal indique que le ministre des Transports a déployé le 14 octobre dernier des remorqueurs de puissance pour assainir la chaussée obstruée. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui laisse un questionnement à sa grande une ce matin. Que va faire le gouvernement?
sept mois après justement l'apparition de la pandémie du Covid-19 sur le sol gabonais et trois mois et demi après une conférence de presse bilan animée par le précédent gouvernement, le cabinet Osuka Rapoda se plie au même type d'exercice cet après-midi. Sur une ligne de crête ces dernières semaines, il pourrait annoncer l'allègement, voire même la levée de certaines restrictions en vigueur, nous dit le journal L'Union de ce jour. Au Congo, les dépêches de Brazzaville évoquent les départements de Bouenza et les produits dérivés du manioc à l'honneur à Madingou. À l'initiative donc de l'Union européenne et du Programme alimentaire mondial, le département a donc abrité hier la première édition de la foire Exposition des produits dérivés du manioc. À R de Congo, le courrier de Kinshasa parlait justement des ONG qui réclament le maintien des sanctions européennes contre certains officiels congolais. Signataire d'une déclaration publiée le 14 octobre dernier, 122 organisations pensent que le contexte n'était pas opportun pour la levée des mesures de restriction individuelle contre certains responsables congolais. Direction la France avec le journal Le Figaro qui présente des nouvelles règles de vie à l'heure du couvre-feu du côté de la France. En tout cas, le Premier ministre entouré d'une partie de son gouvernement a détaillé les nouvelles restrictions annoncées mercredi par le chef de l'État français. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui donne la parole à Claude Puel, le manager général de Saint-Étienne qui fait le point sur la situation financière du club et détaille son projet sportif. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte simplement 400 francs CFA. Finalement, Claude Puel, il va aller du côté de Saint-Étienne, c'est ça? Oui, absolument. Chez les Verts? Oui, le manager. Ben, tant mieux. On espère tout simplement que ça ira pour le mieux pour lui. Et quand on sait pertinemment qu'il a quand même fait de beaux jours du côté de Lyon. Absolument. Messieurs, on va revenir justement sur une information qui nous intéresse ce matin, c'est la grande une de Essingan. Commençons par là, messieurs. Gabéji dans la gestion du Covid-19, la France donne le ton de la répression, alors que nos confrères nous font comprendre qu'alors qu'on s'attend encore à des auditions au Cameroun et surtout au TSC, au tribunal criminel spécial, le chef de l'État français Emmanuel Macron lui a déjà enclenché une enquête judiciaire pour des perquisitions. Et d'ailleurs, les perquisitions ont été marquées par les perquisitions hier, c'était hier justement, 15 octobre, au domicile de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran, et sans oublier du directeur de la Santé Jérôme Salmon. Et je ne savais pas, c'est des informations qu'on ne montre pas souvent dans les grandes chaînes de télévision françaises. Oui. Heureusement que nos confrères de Essinga ont pris l'initiative d'en parler ce matin. Oui, absolument. C'est pour dire que, vous savez, beaucoup d'argent a coulé concernant le Covid-19. Et donc, et c'était la liquidité. Vous savez que généralement, quand il y a la liquidité, ça passe entre les mains des individus. Oui. Et ça fait toujours l'objet de certains soupçons. Et donc, les soupçons pèsent beaucoup sur, justement, l'ancien Premier ministre français, Édouard Philippe, et justement, le ministre de la Santé, et même le directeur de la Santé du côté de la France. Et maintenant, justement, le journal, lui, pense qu'au Cameroun, c'est pas encore le cas, on est encore à l'attente, même si il est annoncé, justement, aux côtés du TCS, justement, quelques interrogatoires. Des auditions, il faut le dire, oui. Des auditions, justement, concernant cette affaire du Covid-19. Et donc, on attend, je pense que le Cameroun a aussi son agenda, et la France en a également. Mais c'est pour dire que il faut que ça se fasse un peu vite, parce que, justement, nous sommes déjà presque... Nous partons déjà, le Covid-19 est en train de, je ne voudrais pas dire aujourd'hui que... Non, ce n'est pas encore fini, il faut rester prudent. Oui. D'ailleurs, le ministre de la Santé l'a indiqué que ce n'est pas parce qu'on est en train de démanteler justement au niveau des stades, les hangars qui étaient au niveau des stades, que les gens doivent croire que... Justement, le Covid-19 a été vaincu. Il faut rester justement prudent. Il faut rester prudent. Et donc, nous lançons également cet appel ce matin pour dire aux gens qu'il faut rester prudent. Totalement. Rester prudent. Oui. Steve, when I listen to what a Senga newspaper was saying this morning, I read through and what came to my mind is this is another side of Western countries, because they believe that they used to tell us that it is only in Africa that they talk about mismanagement of state funds. This is in France already, that the president is already pointing. Ce n'est pas la première fois non plus en France. No, Steve, they used to believe that it is only in Africa where you have ministers going to prison for embezzlement. But this is a case where
You know, when this coronavirus came up, people were complaining that it is a health issue meant to save lives of people. Ce n'est pas la première fois en France. Il y a d'ailleurs quelqu'un qu'on appelait Jérôme Cahuzac qui était ministre, vous vous rappelez d'ailleurs, des détournements de délits publics avec son épouse également dans les îles Caïmans. Donc c'est pas seulement l'Afrique. They don't trumpet it as they talk about Africans because the impression they give is only Africans are involved in such this kind of things like bribe, embezzlement, whereas in their own country, it does exist. That is why now there is a single newspaper telling us that French president is already digging deep into the management of COVID-19 finances, like we have former prime minister, the minister of health, and the director of health. You know, they're already involved. L'ancien premier ministre Edouard Philippe qui est parti encore quelques semaines. Et sans oublier, bien sûr, le ministre de la Santé qui sont pointus du doigt. Hier, d'ailleurs, la zone a été marquée par des perquisitions au domicile de ces derniers. Messieurs, revenons justement au Cameroun. On parle, bien sûr, de scepticisme parlant du vaccin contre la poliomyélite. Il y a d'ailleurs eu ce programme élargi de vaccination. Eh bien, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, nous fait comprendre que lui également, il a vacciné son enfant de 3 ans. Nous n'étions pas là, en tout cas. That's what I wanted to say. This is a good, well, what he said, that's a good initiative of what he has given us to tell us that he himself, he also vaccinated his own child. And I think that this, it should have been before the vaccine. Don't tell us after the vaccine. Because when you tell us after the vaccine, we still remain skeptical. Oui, c'est, yes, on va rester sceptique, ça, yes, c'est vrai aussi. He was supposed to tell us when the vaccine was also going that it is good, this is what I have done. What are the proofs? Je pense que c'est le meilleur moyen, non, pour faire la communication parlant justement du vaccin. Of course. Que le ministre de la Santé publique prenne ses propres enfants, tu vois, les vaccins. Et là, en ce moment-là, on dit à tous les Camerounais, ne vous inquiétez pas, tout en espérant que ce n'est pas de l'eau. Oui, absolument. Je pense que nous sommes dans un environnement où beaucoup de soupçons planent sur justement la question du vaccin, de la vaccination. Et donc, il faut faire très attention. Il faut indiquer aux gens que la vaccination est très importante. D'ailleurs, la vaccination a fait en sorte qu'on certains fléaux chez nous, comme par exemple le tétanos, se sont éradiqués et plusieurs autres maladies également. Et donc, c'est très important, par exemple, la poliomyélite. Nous sommes dans des familles où on a des gens qui ont été paralysés par rapport à la poliomyélite. Et donc, si le ministre indique aujourd'hui que il faut que les gens se vaccinent, nous sommes pour la vaccination, mais nous ne sommes pas pour un certain nombre de choses. Moi, je ne vois pas pourquoi, par exemple, on parlait du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Voilà. Je ne vois pas s'il y a eu des statistiques qui sont déjà alarmantes pour justement indiquer qu'il faut absolument passer par ce vaccin. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis, est-ce que les enfants de 9 ans, ans de 9, 9 de ans, 13 ans, yes. et aussi, Steve, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte sanitaire. Il y a trop de soupçons. Vous savez, depuis qu'on a découvert le Covid-19, les gens ne partent même pas à l'hôpital. Et donc, on a le sentiment que tout ce qui a le lien avec l'hôpital... Je pense même que c'est ça qui a sauvé, qui a quand même sauvé plein d'Africains, le fait d'avoir refusé justement d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils se disaient, bon, ok, s'il y a un hôpital, par exemple, vous vous rappelez d'ailleurs un cas que nous avons eu ici avec l'hôpital du district de Lobaba, hein, vous vous rappelez où les gens ont dit, bon, ok, ils ont carrément déserté. Les hôpitaux parce que dans leur tête, bon, ils ne voulaient pas avoir être contaminés par le Covid-19. C'est aussi la prudence. Steve, let us say something about this government communication. Oui. There is something wrong with government communication when it comes to issues that are affecting the country. I was saying the other day that we are talking about a vaccination that ended, you know, that vaccination ended on the 11th. It started from the 9th. The 10th and the 11th. Mm-hmm. Now, the minister is coming after the vaccination to talk. How can he... Le 15, il vient parler le 15, c'est quand même... How do you convince people? The minister was supposed to come out before the... Remember, and this was already the second and the last phase. That oui. The first phase passed at the beginning of the month. Now, we are talking about a vaccination that had passed. And then you come to talk. It has no effect. He should have spoke to Cameroonians before the launching of the first phase of the vaccination to convince them that this vaccination is normal. There's nothing wrong. People should come up with it. And then you allow the academic. Ce n'est pas après que vous faites des déclarations pour dire que votre enfant de 3 ans a été vacciné. Vous le faites avant. Et si vous pouvez le faire, faites-le publiquement. C'est comme ça la communication. Pour justement convaincre les populations. Et Steve, pour embrayer justement, continuer cette affaire de vaccination. Vous savez, il y a une vidéo, d'ailleurs plusieurs vidéos qui circulent sur le net qui parlant justement de la vaccination sur le col de l'utérus. Le vaccin du col de l'utérus, Du col de l'utérus, où
on a vu un médecin, on nous dit qu'il est médecin, qui est en train d'obliger les enfants dans un établissement. Ah oui, on parlait justement de la poliomyélite. Voilà. C'est un médecin, ils m'ont apparemment, d'après les dernières informations, c'est le directeur de l'hôpital du district de Newbel. Voilà, absolument, qui est en train d'obliger les enfants d'autrui à se faire vacciner. Alors qu'il n'a ni autorisation parentale, ni même l'autorisation, je ne sais même pas si c'est le chef de l'établissement. Oh, vous savez, c'est un peu trop de zèle. On va dire que c'est trop de zèle. Et donc, c'est tout cela qui crée un peu de la confusion dans la tête des parents. Pourquoi obliger les enfants à se faire vacciner alors que les parents eux-mêmes ne sont pas d'accord? Donc je pense que c'est de manière délibérée, c'est-à-dire que c'est avec le consentement du parent. Si le parent il est d'accord de faire vacciner son enfant, c'est son plein droit. C'est son enfant. C'est également le droit du gouvernement de préserver la santé des populations. Il ne faut pas également l'oublier. On a souvent beau dire que c'est aux parents de choisir de vacciner ou pas son enfant, mais c'est également au gouvernement justement de prendre des responsabilités. Une bonne communication. C'est ce que nous faisons comprendre. Messieurs, pendant ce temps de gardien de pause, nous fait part de l'appel de la fin de la répression du gouvernement contre le MRC, et d'ailleurs dénoncé par l'Organisation des Nations Unies. Et pendant ce temps, Réalité Plus, autre quotidien camerounais, nous fait comprendre que marche illégale du MRC, et bien du 22 septembre dernier, autant pour moi, René Sadi corrige les mensonges des experts de l'ONU. And voilà. That's why the gardien pause is the statements of the UN High Commissioner for Human Rights concerning that 22nd protest are distorted, they are one-sided, and he concluded that they are subjective. Because according to him, they are reporting on what, or they are commenting on what they have not studied. They have not gone into it. That is why the government spokesperson, came out to tell them that, no, your statement is wrong. Because they were coming to impose on Cameroon to release Il y a quand même une chose qui nous chagrine à nous autres depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, que ce sont les Nations Unies qui viennent justement sur les territoires africains imposer leurs lois. C'est quand même un peu bizarre et participe même parfois à la déstabilisation de nos nations. Et personne ne lève jamais le petit doigt. Tout ça part, on va dire, entre guillemets, la communauté internationale a le pouvoir. Quelle communauté internationale? Qui fait partie de la communauté internationale? Allez justement savoir. Pendant ce temps, messieurs, on va pas sortir de cette revue de presse sans féliciter quand même, hein, Shane Jones Yembe, dont nos confrères d'ailleurs Newswatch, sans oublier le Guidéon et The Guardian Post d'ailleurs, ont fait une petite part, hein, il faut le dire comme ça, une part belle de cette information pour nous dire que le chef de l'État camerounais, pour service rendu à la nation, eh bien, il a reconnu ses chevaliers. Quand vous voyez knights en anglais, ça signifie chevalier. Alors, actually, Steve, these are kind of things that we want to hear. Oui. That let us not present a negative, image of Cameroon. Cameroonians can do it. If Shea Jones Yembe and his team at the Douala Port Authority can manage that structure as they have been doing, it is to tell us that we must not think that only the foreigners can come to manage our affairs. We can do it. We have Cameroonians. On peut le faire même mieux even que ça. Even more, like they are doing. In fact, they are doing more than what foreigners have been doing. So these are signs that if we give this kind of encouragement, because I think the gesture of the head of state towards Shea Jones Yembe is to to encourage him and encourage his team and encourage Cameroonians that you can do it, you can handle your country. I think this is what we need for the On a quand même vu pas mal de progrès du côté du port autonome de Douala, et sans vous dire, hein, le RTC fait des choses extraordinaires de ce côté-là. Donc quelque part, c'est normal qu'on félicite quand même, hein, ces personnes qui ont fait de belles et grandes choses. Ça, il faut également le souligner. Absolument. L'expertise nationale. Oui, elle est de mise. On ne va pas l'oublier. Pendant ce temps, d'ailleurs, hein, messieurs, pour sortir rapidement de cette revue de presse, je vais revenir d'ailleurs sur ce problème de la taxe sur le téléphone et surtout les tablettes. On parle de la taxe qui fâche. C'est quand même bizarre. Hier, on en a parlé, mais on n'est pas très convaincu. Hier, j'ai eu un message. Normalement, j'aurais voulu en parler ce matin, où on nous parle d'une loi de 1958. Donc, quelqu'un venait d'acheter son portable, il a mis sa puce.
et tout de suite l'opérateur de téléphonie mobile lui parle d'une loi de 1958. Oui. Donc j'ai l'impression finalement qu'il y a des choses qui doivent être réglées très rapidement. Il y a des choses qui doivent être réglées. D'ailleurs, lorsque vous parcourez le quotidien, le jour, oui, vous parlez de la BEAC, parce que ces transactions-là vont passer par la BEAC. Oui. Et donc, le journal nous fait savoir que la BEAC n'a pas encore validé. Et donc, ça veut dire que c'est comme si le gouvernement est en train de vouloir se précipiter sur quelque chose qu'ils n'ont pas organisé au préalable. C'est ce que ça donne l'impression. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas quand même quelque chose, puisque plusieurs Camerounais, on est à plus de 20 000 Camerounais qui sont abonnés en téléphonie mobile. On ne peut pas faire quelque chose comme ça avec si de légèreté. Avec la légèreté, ça, donc, il faut le dire. Je crois que tout cela, il faut... Après, on a pris une décision, tout de suite, on veut l'appliquer. Il faut l'appliquer, je ne sais pas pourquoi. Peut-être, oui, on peut comprendre qu'il y a des raisons de trésorerie, on peut comprendre tout cela, mais il faut aussi savoir qu'il faut d'abord une organisation en amont. On ne peut pas. Si on nous dit aujourd'hui que la BEAC... Bon, je vais vous lire le message, Jackson Jock et Amar Guevenas. Je vais vous lire le message de la personne, parce que la personne m'a envoyé le message pour que je comprenne très bien le problème, parce que la personne a voulu justement acheter le type de portable pour voir ce qui se passe. Chers clients, étant donné que vous êtes le premier utilisateur de cet appareil, vous êtes contraint à payer des taxes relatives à la valeur d'usine de ce dernier. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service client. Ah oui, mais là, ça ne veut rien dire. Steve, we're talking about this. Ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que c'est le service client maintenant qui va vous donner le montant à payer. Parce qu'ils expected that they should give you pay this amount because they have not stated the cost price, oui, the factory price of that telephone. Which means when it is open like this, if you go, somebody will tell you that this telephone is 200,000. Moi, je pose toujours la question. Pourquoi est-ce que c'est les populations vulnérables qui doivent en pâtir, en payer justement that le prix? Point. Mais Stevie, il y a même autre chose. On dit qu'on va, c'est-à-dire on prélève 33% par rapport au prix de l'usine. Mais qui sera le prix de l'usine? That is the question. What is the factory price? Parce que ça signifie que si je paye mon téléphone au Nigeria, là, on aura un combat. Oui, on saura comment. That is the point. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va procéder. Parce qu'aujourd'hui, tel téléphone peut être à tel montant. Ça devient hors série, on change de montant, on va régler ça comment. And there are other complications. Je me pose des questions, il y a beaucoup de choses. There are other complications qu'on n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va expliquer. Bon, je vous rappelle juste, il y a des usines. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Yes. Il y a des usines, entre guillemets. Yes. Vous comprenez? Yes. Bon, vous allez voir Samsung, sans publicité. Oui. Mais là, maintenant, mais Samsung. Yes. Il y a plus de U, il y a plutôt un O. Yes. Actuellement, non, you have c'est quand même une usine. That is it. Hein, c'est quand même un problème. Faut pas quand même. Hein, vous savez que c'est un problème. Bon, il y a également un autre problème là. Il y a les gens qui vont vous faire Galaxy avec deux X. Actuellement, okay. Hein? Comment on va faire ça? Steve, I was reading Cameroon Tribune that informed us this morning that the tax on telephone could not go operational yesterday. Oui. And according to Cameroon Tribune, the reason is simple. All telephone operators in Cameroon have not agreed. They say, you know, they have not agreed on the modalities. Now, the question I was asking myself is, how can the government go about, you know, announcing such a law when they have not gathered what we call feasibility studies to make sure that all other such kind of things like agreement between the platform, the digital platform and telephone operators, that they are already, you know, in accord with it, but they go and give a date for the application. These are things that when they happen in Cameroon, in as much as we are trying to say the fact that Cameroonians can, that Cameroonians have the capability, the competency, they just also, talk about this issue of Cameroonians who just think that they can put everything forward. We are talking of Cameco that was supposed to take over on Monday. It did not succeed. Those who were supposed to study the applicability of, you know, of that measure, what happened to them? How can you program? C'est la grande interrogation, ne vous inquiétez pas. Monsieur Jourdi, merci d'avoir été là ce matin en vous souhaitant justement de passer un bon week-end. Bon week-end à vous, Amar Guevenas. Thank you, Steve. Bon week-end également à vous, Jackson Jock. Bon week-end à vous également. Le temps pour moi de lire des messages que vous nous avez laissés la nuit lors du débat. Il y a ceux qui ont justement regardé le débat au cours de cette nuit. Il y a ceux qui ont envoyé également des voices. Hein. Je ne vais pas lire les voices ce matin. Bonjour, salut toute l'équipe d'IBS et nous félicitons pour tout ce que vous faites. S'il vous plaît, quand ferez-vous un débat sur la Guinée-Conakry? Nous avons aussi un vieux dictateur là-bas. C'est un Diallo de Guinée-Conakry depuis Lomé au Togo.
Merci également à vous. Hein. Nous pensons justement parler de la Guinée-Conakry, même si quelque part certaines chaînes de télévision dites panafricaines font comprendre que ben, Alpha Condé, c'est le meilleur président de la planète. Bonjour, le plateau, c'est Kalabate depuis Kumasi au Ghana. Merci également à vous, monsieur Kalabate depuis Kumasi, c'est au Ghana. Merci en tout cas de nous féliciter pour l'émission. Bonjour le panel, très heureux de vous suivre tous les matins. L'Africain doit être rééduqué et informé. Merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Richard de PK19, Bassa, je vous envoie une image. Eh bien l'image, on va la regarder dans un instant. Bonjour à tout le panel de DBS, très belle thématique. Que Dieu vous garde tous et vous comble de ses grâces. El Hadj Amadou depuis Yaoundé. Ce sont des messages que vous nous avez laissés, je vais les lire. Bonjour le plateau, courage, nous vaincrons. Merci également à vous, même si vous ne nous avez pas laissé votre nom. Salut, c'est Eric depuis le Ghana. Que le doyen sache que sans toutes ces technologies, télé, internet, imprimante, on allait absolument vivre plus longtemps. Même, et c'est l'essentiel qu'on arrête de nous faire croire que sans eux, on n'existerait pas. Eh bien, merci à vous Eric depuis le Ghana. Bonjour le panel, l'Afrique a la science depuis, mais les Occidentaux ont pris de l'avance sur nous. Merci à vous qui nous avez également écrit du côté de Koto ce matin. Pendant ce temps, je reprends encore les messages que vous nous avez envoyés. Bonjour à tous les splendides panélistes que je suivais depuis longtemps et je continue à vous suivre car c'est vous mes consolateurs, mon petit déjeuner. L'Afrique demeure la terre mère car c'est toujours ces Ndjundju occidentaux qui viennent nous offenser. C'est pourquoi je suis d'accord avec Anatolah ici quand il dit qu'on doit fermer les frontières. Redangoua depuis Makepe. Bonjour le panel, civilisation africaine, civilisation occidentale, l'Afrique doit-elle choisir? Moi Bamba, à l'instar de tout Africain digne de ce nom, je n'ai pas de choix sinon que je n'ai qu'un seul choix, celle de l'Afrique. La civilisation est par définition la manière de vivre d'un peuple, elle diffère donc d'un peuple à un autre, ce qui fait d'elle l'ADN de tout peuple. L'Afrique demeure la morale de l'humanité, nous sommes juste victimes d'une agression civilisationnelle des Occidentaux. J'aurais voulu que nos panélistes du jour soient vêtus en costume traditionnel. L'Africain, l'Afrique peut et doit reprendre sa place, qui est celle de la mère de la civilisation, mais cela peut et doit commencer par nous. Merci et surtout, bonne journée à vous. Merci à vous, monsieur Bamba, depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, la civilisation africaine n'est comparable à aucune autre. Les Occidentaux, avec leur politique d'assimilation, ont des ambitions diaboliques, raison pour laquelle l'Afrique est taxée d'indigènes puisqu'elle met en avant les valeurs humaines. Africains, soyons jaloux de notre culture. Ne dit-on pas souvent quel est le bien restant quand on a tout perdu? L'Europe, civilisation pacotille, Boris, Chapelle, Siméon, c'est du côté de Yaoundé. Bonjour, bien le bonjour à vous sur le plateau. Les Africains ne se développent jamais en adoptant la civilisation occidentale car cette civilisation va à l'encontre de nos coutumes. Nous devons nous-mêmes créer nos modèles économiques et politiques basés sur nos traditions ancestrales. C'est Stanislas depuis Marois dans l'extrême nord du pays. Bonjour DBS, bonjour au panel de prestige. Comme d'habitude pour répondre à la question du débat d'Afrique, débat bien évidemment doit choisir les civilisations africaines parce qu'elle a transmis au monde les humanités sur tous les plans. Nous devons néanmoins adapter nos civilisations à l'évolution du monde moderne et surtout ne plus faire la même erreur que nos ancêtres, c'est-à-dire trop gentils dans tous les médias et partout où c'est possible, revendiquant ces civilisations africaines. Reconnectons-nous à notre passé, le plus glorieux, l'Égypte antique, et relayons davantage les conclusions du professeur Cheikh Anta Diop et transmettons à nos enfants. Barthel depuis la Haute-Savoie, c'est en France. Bonjour Steve et à tous les éminents enseignants sur le plateau. L'Afrique est la mère de toutes les civilisations car nous sommes les aînés de cette planète. Nos ancêtres avaient initié nos cultures, mais alors notre éducation est importée. La justice et la religion étrangère nous ont imposé. Aujourd'hui, nous produisons le coton, mais c'est la friperie que nous portons. Nos femmes greffent les cheveux des autres sur la tête. Nous consommons ce qu'ils produisent. Pire, ils impriment des chiffres sur des papiers pour venir prendre gratuitement nos matières premières. Nous avons abandonné nos cultes de crâne pour embrasser Jésus blanc et son père. Avec tout ça, sommes-nous encore africains? Fokam Tamno depuis Bandioun, dans l'ouest du Cameroun.
Bonjour à vous tous. Isidore Noël Thomas Sankara, le seul chef d'État africain qui n'a jamais tremblé devant Mitterrand, le chef de l'État de la dite puissance colonisatrice, lors d'une visite officielle à Ouagadougou, il a été obligé de remettre son discours dans la mallette sans le prononcer à cause du discours fracassant de Tom Sank. Retenez ceci de Sankara: je souhaite qu'on parle de moi, l'image d'un homme qui a mené une vie utile pour tous. C'était en février 1985. Parlant justement de Thomas Sankara ce matin, nous en parlerons au cours de ces débats, car hier, eh bien, c'était le 15 octobre 2020. Eh bien, il a été assassiné le 15 octobre 1987. Je suis Dieudonné du Togo. Merci à vous également, Dieudonné du Togo. Bonjour à vous sur le plateau. Le vestige du premier être humain a été trouvé en Afrique. Appelé Lucie. Les mathématiques, philosophie, théologie, médecine, chimique, tout ça existait déjà en Afrique avant l'arrivée des Européens qui sont venus plutôt voler la civilisation africaine. Conclusion, l'Afrique n'a pas besoin de la civilisation occidentale. C'est Machiavel qui nous écrivait. Bonjour le plateau. Chaque peuple a une civilisation qui lui est propre, promettant, permettant son épanouissement. Pourquoi aller copier une civilisation d'autrui? Effectivement, c'est la source de divers problèmes en Afrique. Aujourd'hui, les natifs du milieu se comportent comme un étranger. Celui Azer depuis Agoué au Togo. Le thème retenu pour ce vendredi, assassinat de Thomas Sankara, 33 ans après la révolution, toujours en marche, c'est notre grande interrogation. Est-ce que la révolution de Thomas Sankara de 1985 est toujours en marche aujourd'hui? Rappelons qu'il a été assassiné le 15 octobre 1987. Eh bien, nous sommes le 16 octobre 2020. Hier, nous en parlions encore. Aujourd'hui, nous lui rendons justement hommage. Ce sont les héros de l'Afrique. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je suis Longo, je salue mes copanélistes que vous aurez le privilège de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs de DBS La Matinale. Je salue particulièrement et plus spécialement, n'est-ce pas, toute l'équipe technique de cette tribune sans laquelle, n'est-ce pas, on ne pourrait pas nous entendre et voir l'autre côté, n'est-ce pas, de la boîte à son. Je salue également l'Afrique, je salue le continent africain, je salue le monde, notamment tous ces Africains qui sont de l'autre côté et qui justement se battre pour le compte de l'Afrique. Mon coup de gueule de ce matin, si José Longos, à quand remontent les dernières pluies qui ont causé inondation et éboulement du terrain de Douala? Ça fait longtemps. Le 5 octobre. Le 5 août. C'était, je crois, au mois d'août. Vous dites le mois d'août? Le 5 août. Depuis cet instant-là, il y a eu une bretelle de la route qui conduit à l'aéroport international de Douala qui s'est effondrée. Et depuis lors, le maire de la ville, à travers un communiqué, nous a fait croire aux populations de la ville de Douala que cette route devait être réhabilitée. Moi, je trouve que c'était un gros scandale pour une route comme celle-là, en pleine agglomération, qui mène dans une structure aussi sensible qu'un aéroport, qui n'est pas réhabilitée jusqu'à ce jour. Ainsi va la décentralisation. Ainsi va la décentralisation. Merci pour votre coup de gueule ce matin, Albert Anatola ici. Patrick Sapak, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Choslangos, bonjour à tous les co-consultants sur ce plateau ce matin qui sont en même temps des frères. Bonjour aux techniciens dont le doigté exceptionnel va toujours permettre la fluidité, justement la transfusion des éléments de compréhension de ce corde du combat. Et bonjour à l'Afrique et bonjour au monde. Alors je vais entrer rapidement avec deux scripts. Le premier script c'est que depuis 48 heures déjà, nous sommes le 16, alors depuis 24 heures, c'est lancé en Côte d'Ivoire, comme on pouvait s'y attendre, mais ce qui est plus surprenant avec la campagne, bien évidemment. Donc, l'élection se tient le 31 octobre courant, c'est-à-dire le mois dans lequel nous sommes en ce moment. Donc, il y a quatre candidats, ce que on pouvait redouter. Steve Joslangos, vous avez Conan Bédier, dont j'étais sur ce plateau en signalant qu'il a été quelqu'un qui a accompagné justement cette bourrasque du banditisme international depuis 1961, où il avait été fait ambassadeur aux États-Unis de la Côte d'Ivoire par Oufouet Boigny. Et puis, il y a Kwadio Conan Bertin, qui a été démissionnaire. Et puis déjà, en 2015, il a été candidat du PDCI, c'est-à-dire il est sorti du PDCI. C'est quelqu'un qui a eu un comportement iconoclaste. Et lorsqu'on a mis en place cette coalition qui devait s'opposer à la candidature d'Alassane Draman Ouattara, il a dit qu'il ne devait pas, il n'allait pas
se prêter à cet exercice-là. Il est candidat, il a été retenu contre, par exemple, Mamadou Koulibaly, le président du Leader. Vous vous souvenez que sa porte-parole avait fait une sortie à Soti il y a quelque temps. Et donc, on l'a écarté. Donc, maintenant, pour retenir Kwadio Konan Bertin, et puis, il y a Pascal Afingessan, qui est le candidat du FPI du gouvernement. Donc, qui va les trois vont accompagner dans deux semaines Alassane Draman Ouattara dans cette escroquerie politique et ce banditisme démocratique déguisé en élection qui est préparé là-bas, alors même que depuis quelques semaines, on est dans les rues à gauche, à droite, on est déjà pratiquement une cinquantaine de morts, avec une centaine de blessés, des gens qui ne veulent pas que Ouattara rempile, malgré que la constitution l'y interdit, et nous sommes justement dans presque pratiquement le même strict au niveau de la Guinée-Conakry. Vous l'avez dit tout à l'heure pendant que vous étiez en train d'éplucher la presse africaine, et donc Alpha Condé va repartir dans 48 heures justement pour mettre à plat tout le monde. Ce qui est encore également surprenant là-bas, c'est qu'il y a 12 candidats, parmi lesquels on trouve le patron de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, qui a traditionnellement été l'adversaire de tout le monde. Et vous savez très bien que Sékou Touré ayant été abattu, parce que c'est comme ça que j'ai dit ça, c'est-à-dire qu'à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis, ce 24 mars 1984, lorsqu'il est allé se faire opérer du cœur parce qu'il a fait une crise cardiaque, eh bien, on l'a poussé à la mort rapidement pour faire susciter l'Ansana Contré, qui est venu rester pendant tout ce temps avec une main lourde occidentalo-française sur la Guinée-Conakry, jusqu'à ce qu'il s'évapore le 22 décembre 2008, et que nous connaissions les secousses que vous avez connues avec Dalice Camara, etc., etc., jusqu'à ce que l'élection à laquelle on s'était attendu et sur laquelle on espérait qu'il allait avoir des modifications, la mutation dans le comportement politique en Guinée-Conakry avec notre ami Alpha Condé, eh bien, ça fait 10 ans qu'il est là, donc il est dans le même trip que notre ami Ouattara. Donc les gars veulent se fossiliser au pouvoir parce que Ouattara et Alpha Condé entretiennent le fonds de spectacle permanent de population sans peuple, de nation sans binationale et d'indépendance sans souveraineté, mais surtout de démocratie qui se brise constamment en morceaux face à des hommes déterminés à se fossiliser au pouvoir. Donc voilà deux scripts qui sont justement en train de remettre justement les nègres devant la honte universelle, comme expliquait René Dumont. Merci beaucoup Patrice Abba pour votre coup de gueule également ce matin. Apparemment, ça devient une marque de fabrique. Eric Pepa-Bikay, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour Steve. Bonjour à l'ensemble de mes copanélistes. Bonjour aux téléspectateurs de DBS, la matinale. Et bonjour également au maire de la commune de la Troisième, M. Ekoupa Valentin, qui a bas un travail de SAP, pour ne pas l'oublier. La circulation, par exemple, sur la bretelle qui va de Yassa à Ndokoti, n'a jamais été aussi fluide que ces jours. Ce n'est pas évident, c'est vrai. Mais il a déployé sur cet axe-là les agents de la commune municipale qui essaient tant bien que mal de régler la circulation. C'est déjà un attrait pour la circulation dans cette zone-là. On en demande davantage, mais davantage on demande aux populations d'être assez disciplinées, de respecter l'ordre civique prescrit par les autorités municipales. Merci. Ainsi va aussi la décentralisation. Ainsi va aussi la décentralisation. Bon. On commence à avoir des sons discordants, mais bon, allez savoir. André Blaise et Sama, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour le grand combattant Angos, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les panélistes. Je suis bien sûr, vous allez me dire, Essama, on est surpris, tu as le chapeau rouge. C'est bien sûr un rappel à ce thème que tu as choisi. Et je suis très heureux de savoir que après notre passage ici pour la commémoration de Ruben Oumiobé, oui, nous avons pensé à Thomas Sankara, qui lui est effectivement celui qui va me décoiffer, voilà, et me permettre d'avoir donc le chapeau rouge. Pour rappeler que nous sommes tous africains, et un bon Africain doit être prêt à mourir pour défendre la patrie. Un bon Africain, si nous ne sommes pas encore entrés en prison, comme Patrick Sapak, que je félicite d'être déjà entré plusieurs fois en prison, il faut bien que chaque Africain s'apprête à entrer en prison, parce que c'est là-bas qu'on obtient les victoires. Il est important que aujourd'hui, monsieur Ngos, rappelez-vous, j'étais ici sur votre plateau, c'était avec une moto bleue. Elle m'a été arrachée, vous savez très bien ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, grâce à Souverain Rabboni Ier qui est en Ouganda, je suis actuellement en train de rouler sur une moto rouge. Une moto rouge qui rappelle le sang, mais qui rappelle surtout que je suis prêt à retourner en prison. Parce que qu'est-ce qui se passe? Plusieurs Africains ont peur d'entrer en prison. Monsieur Ngos, rappelez-vous, plusieurs de nos parents, s'ils avaient peur de mourir,
nous n'aurions pas de base, nous n'aurions pas de notre propre pays sans base militaire étrangère. C'est important pour la génération que nous sommes en train de voir, que ceux qui ont peur de mourir, et pourtant on dit tu combats, tu meurs, tu ne combats pas, tu meurs. Un militaire sans idéologie politique est un criminel. Et c'est Thomas Sankara. Et aujourd'hui, ce peuple, le Burkina Faso, vient d'inaugurer une université, Isidore Thomas Sankara. Ça s'est transformé, l'université Ouaga est devenue université Thomas Sankara. Oui. Et je voudrais peut-être ajouter, il y a un mémorial. Ça veut dire que quoi? Le Burkina Faso a compris très vite. Et je rends un très grand hommage à ce fils d'Afrique qui, en 4 ans, a donné l'occasion aux Africains de comprendre la portée de ses messages, de ses dits et de ses écrits. Ses écrits et ses dits sont des lumières pour le peuple africain. Thomas Sankara est un saint. Thomas Sankara est mon saint. S'il y a des gens qui entrent dans les églises... Et on vous comprend parfaitement, André Blaise, et ça va. Il y a des Africains qui vont continuer de faire croire que nous avons des personnes ici qui ne peuvent jamais être pape. Je pense de Ludovic, le prêtre. Lido. Oui, oui, oui. Ou bien cardinal Christian Toumi qui vient de fêter ses 90 ans. Il ne peut pas être pape. C'est toujours de l'impérialisme, c'est toujours de la néocolonisation, c'est toujours de l'aliénation, l'infantilisation des Noirs. Et il faut que ça termine. C'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. Nous sommes déjà le macabo. Merci beaucoup André Blaise et ça va d'être là ce matin. Il n'y a pas que Thomas Sankara qui est mort au cours du mois d'octobre. Nous allons également rappeler à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent de par le monde, le 12 octobre 1950, c'était la mort de Simon Kibangou. Toujours un très grand combattant. 22, je crois que c'était 22 personnes qui ont été assassinées en même temps que Thomas Sankara, à qui nous rendons cet hommage. Cet hommage, justement, le 15 octobre 1987, justement, c'est ça qu'on nous allons en parler tout à l'heure, c'est l'assassinat de Thomas Isidore Sankara. Le 17 octobre 1806, c'était l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Le 18 octobre 2007, c'était l'assassinat de Lucky Dube, grand chanteur et surtout reggaeman du côté de l'Afrique du Sud. Le 20 octobre 2011, le dernier grand combattant qui reste encore sur le sol africain, l'assassinat de Muammar Kadhafi. Eh bien, ce jour, nous allons justement vous rendre hommage en vous déclarant haut et fort, reposez en paix. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Le thème choisi ce matin, assassinat de Thomas Sankara, 33 ans après, la révolution toujours en marche, c'est notre grande interrogation et c'est la thématique du jour. Bassirou Sanogo, ce nom ne vous dit certainement pas grand chose. Et pourtant, comme Moussibila Sankara, Basile Guissou, Valère Sommé, Firmin Diallo et bien d'autres collaborateurs du président Thomas Sankara, il a été embastillé par le Front Populaire de Blaise Compaoré. Ambassadeur en poste à Alger sous la Révolution, il se rappelle encore comme si c'était hier, le jour fatidique du jeudi 15 octobre 1987. 33 ans après, le septuagénaire nous parle de Thomas Sankara, de sa traversée du désert après la révolution des 27 ans de règne de Blaise Compaoré et des élections du 22 novembre 2020 à venir. L'assassinat de Thomas Sankara, eh bien Bassirou Sanogo ne s'y attendait pas malgré le malaise qui régnait au sein du Conseil national de la Révolution. Malaise dont il a eu vent depuis l'Algérie, où il était ambassadeur. C'est dans l'avion, prêt pour le décollage pour Ouagadougou, que la nouvelle tombe comme un couperet. Un soir du 15 octobre 1987. 33 ans après, la déception se lit toujours sur le visage du septuagénaire. C'est un véritable gâchis, lâche-t-il dès l'entame de l'entretien. Eh bien, le samedi 10 octobre 2020, ce qui se passait au Burkina Faso sous la révolution était quelque chose d'inédit, d'osé même, va-t-il nous déclarer. Eh bien, messieurs, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, le président du Burkina Faso, tombe sous les balles d'un commando. 33 ans après, à Ouagadougou, le souvenir de cet assassinat reste frais dans les mémoires de ses contemporains. Les questions hantent encore aujourd'hui les anciens collaborateurs de Thomas Isidore Sankara. Eh bien, il faut préciser par ailleurs que, jusqu'à preuve de contraire, beaucoup se demandent toujours pourquoi cette révolution avait été justement brisée
au moment où elle commençait justement à décoller. À la rencontre de ceux qui, il faut le dire également, qui ont vu monter les tensions entre deux amis proches, eh bien, quand je vous parle d'amis, je vous parle de Blaise Compaoré et sans oublier Thomas Isidore Sankara. Ils disent leurs convictions sur ce qui s'est passé à Ouaga en cet an 5 de la Révolution. Pendant 4 années donc, les deux hommes vont jouer justement sur le feu des projecteurs pour changer la haute volta en Burkina Faso. Parce qu'au départ, eh bien, ce pays s'appelait la haute volta et Thomas Isidore Sankara va déclarer haut et fort que ce pays va désormais s'appeler, eh bien, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Autre chose également qu'il faut signaler au cours de cette édition de Libye ce matin, c'est que les deux hommes vont justement, il faut le préciser, faire leurs études à l'EMIA du Cameroun, l'école militaire interarmes, ici même à Yaoundé. Et justement, en sortant de cette école, leur mémoire est claire. Comment faire un coup d'état dans un pays africain, et ce fut justement ce qu'ils vont faire quelques années plus tard du côté de la haute volta qui deviendra plus tard le Burkina Faso. Monsieur, 33 ans après la mort de Thomas Sankara, la révolution est-elle toujours en marche? Nous allons justement nous intéresser à cette interrogation. Peut-on dire aujourd'hui, Patrick Sapa, qu'il y a encore cette révolution qu'avait apporté le vent de Thomas Sankara dans les années 80? Alors, il faut déjà signaler que la révolution, c'est la rupture brusque et parfois brutale de la structure socio-économique et politique d'un pays ou alors d'une société. Il n'y a plus de révolution. Pour prendre pour élément de référence, justement, le travail que Sankara a commis, et vous avez bien fait de mentionner le parcours académique sur le plan de la formation militaire qui avait été épuisé par Thomas Sankara et son frère, entre guillemets, Blaise Serial Killer Compaoré. Donc, ils sont arrivés, mais lui, il a prolongé justement ces révolutions-là à la manière occidentale parce que c'est un noir de peau, mais un blanc dans le cœur. Ça veut dire que c'est le cœur français qui bat dans sa poitrine et que c'est la France et l'Occident qui sécrètent ses sensibilités. Lui, Blaise Serial Killer Compaoré. Et donc, quand ils arrivent en 1983, le 4 août, sur Ouédraogo, qui était aussi un homme lige, justement, au niveau de ce pays des hommes malhonnêtes, parce que c'est comme ça qu'il fallait décliner la haute volta à cette époque-là, on est passé au pays des hommes intègres, vous l'avez indiqué sur votre chapeau, par l'impulsion de Thomas Sankara. En 1900, il a donc fait ce que Sékou Touré avait fait, parce que pour bien comprendre la logique qui a entraîné l'assassinat de Sankara, il faut repartir sur Sékou Touré. Donc le 28 septembre 1958, après que Gaston Defer, le 23 juin 1956, est sorti la loi 4 qui présentait l'image l'autonomisation des États d'Afrique, alors que c'était une autre pirouette de l'État sous tutelle, beaucoup d'Africains naïfs comme les Liomba avaient cru que c'était vrai. Ils se sont même rendus voir Michel Debré, qui était le premier ministre de Gaulle, pour lui dire, écoutez, donc maintenant il faut qu'on se prépare pour l'accession à la souveraineté internationale de nos nations, puisque vous avez sorti la loi 4. Il lui a dit, écoutez, vous êtes trop bête. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce sera l'indépendance avec les accords de coopération ou pas d'indépendance du tout. Alors, le 28 septembre 1958, Sékou Touré invite De Gaulle à Conakry pour lui annoncer sans embâche, écoutez, je préfère la misère dans la dignité que la richesse dans l'asservissement. Voilà, donc, à partir d'aujourd'hui, la Guinée est libre et indépendante. Et je veux battre le franc guinéen et je verrai comment justement gérer, liquider tout ce qu'il y a à faire avec le contrat qui nous a lié à la France et la Guinée. Et donc, son assassinat est programmé. Mais depuis, puisque c'est un combattant, c'est un résistant et un combattant, il a essayé d'aller à gauche, à droite, mais on lui a créé tous les problèmes du monde dans sa gouvernance. Parce qu'il a fait venir les Cubains, les Soviétiques pour l'assistance au niveau économique et sur le plan militaire. Et il a commencé à battre le franc guinéen. Mais il faut noter que justement avec les bandits comme Delaunay ou encore les Bob Dena qui se baladaient un peu partout sur le continent africain, eh bien, des faux francs guinéens ont été versés dans l'économie guinéenne pour créer l'inflation d'origine monétaire, tuer cette économie, le rendre même paranoïaque. C'est si bien qu'on a abouti à ce que j'expliquais tout à l'heure en chapeau dans mon sujet d'entrée, c'est-à-dire le 26 mars 1984 à Cleveland, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis, là où il se fait repérer prétendument ce cœur-là. Et donc, il a été éliminé. Alors, Thomas Sankara, c'est également le discours.
le 27 juillet 1987 à Addis Abeba, qui abritait à l'époque le siège de l'OUA, donc l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue aujourd'hui l'Union africaine, eh bien, il a produit un discours. Le discours sur la dette. Sur la dette. Oui. Alors, il a déjà dit, écoutez, la tenue qui est sur moi, toute ma délégation porte le même type de tenue. Alors, pour confectionner cette tenue-là, on n'a pas eu besoin d'importer le moindre fil d'Occident. Tout ça s'est fait au Burkina Faso. Créons notre marché sud-sud parce que nous avons le continent le plus riche de la Terre. Et ne mentez pas parce que ça fait pratiquement 52% de la richesse mondiale sur le continent africain, dont on note qu'on a 30 330 000 km², dont 622 000 d'îles de péninsule, avec une population qui avoisine 1 392 408 000 âmes aujourd'hui. Donc, il avait raison à cette époque-là. Créons notre marché sud-sud. Évitons d'aller demander et commander les aides alimentaires et les dettes. Et justement, parlant de la dette, nous ne sommes pas responsables de la dette parce qu'il n'existe aucune richesse suffisante pour payer la dette de sang que nos aînés ont versée pendant la conquête des indépendances. Donc, refusons tous de payer la dette, mais faisons-le ensemble, mes chers frères africains. Faisons-le tous ensemble parce que si je le fais seul, eh bien, vous n'allez pas me revoir dans le prochain regroupement panafricain parce qu'ils vont me tuer. Alors, ils ne croyaient pas si bien dire. Encadré par qui? Et il y a des le père. Bongo le père ou Fouette Boigny, eh bien, Blaise Cérial qui leur comparait et allait liquider le 15 octobre 1987. Et nous sommes aujourd'hui à créer. Et vous voyez très bien, toute cette nébuleuse-là, ces gars-là ont décidé, ils n'ont même pas accepté le certificat des gens de mort de Sankara, dont ils disent, eux, qu'il est décédé dessus de mort naturelle, alors que toute la conscience internationale africaine savent que c'est que Sankara a été froidement et lâchement abattu par ces hommes-là, fabriqués dans ce que vous avez indiqué aux téléspectateurs tout à l'heure. Donc, 27 ans sont passés au niveau du Burkina Faso pour servir de base arrière, pour faire tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la zone sahélo-saharienne, en se servant justement du Burkina Faso comme base arrière avec ce Compaoré-là, pour déstabiliser à gauche, à droite, éliminer à droite. Donc, la révolution dont vous parlez, elle est rentrée au second plan, mais elle est en train de reprendre avec vous, Steve Joslangos, et puis tous les co-consultants et co-combattants qui sont sur les plateaux, sur les plateformes, mais en notant bien que le premier chantier, c'est celui de la communication, c'est-à-dire la sensibilisation, l'information, l'éducation et la formation hardie des masses africaines pour qu'on ait la masse critique nécessaire et exigible justement pour aller affronter ce danger-là. Donc, vous comprenez que Sankara, nous sommes allés plusieurs fois sur le cimetière où on dit qu'on l'a enterré avant qu'on ne fasse ce cinéma pour dire qu'on va aller faire l'autopsie, voir un peu ce qui l'a poussé à mourir, puisqu'ils avaient dit qu'il était décédé dessus de mort naturelle, ce qui n'était pas le cas, comme je viens de l'indiquer. Donc, vous comprenez que Sankara était un grand homme, c'était l'espoir de la jeunesse africaine. Et de toute l'Afrique d'ailleurs. On avait compté sur lui, mais je note que François Mitterrand était dans la salle ce jour-là, et parce qu'il est arrivé en 81 en trimballant la gauche au pouvoir en France, en s'y allant qu'il allait mettre un terme au système, au réseau Focard, etc. Eh bien, quand Oufouette Boigny et les autres lui ont dit non, nous on préfère rester dans les réseaux, il est revenu, il a dégagé Jean-Pierre Côte, qu'il avait nommé pour gérer cette affaire-là, et justement, il était dans la salle à Addis Abeba le 27 juillet 1987. Comme plusieurs autres chefs d'État également. Voilà. Hein, qui sont encore noter, au pouvoir aujourd'hui. Sortir, parce que 70% des chefs d'État qui sont encore au pouvoir aujourd'hui et qui jouent avec les constitutions après avoir fait l'amour très tôt le matin avec les épouses parce que c'est leur propriété personnelle, eh bien 70% de ces chefs d'État étaient dans la salle ce jour-là en train de dire oui, mais et Harry derrière pour dire celui-là, et il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et donc, c'est eux qui ont encadré justement l'assassinat à la faveur du pons-pilatisme d'État sur le continent africain ces 40 dernières années. Merci beaucoup, Patrice Abba, pour cette première prise de parole. Albert Anatole Laïcian déclare haut et fort que le 29 juillet 1987, lors de ce discours du côté d'Addis Abeba en Éthiopie, Thomas Idiso Sankara était impitoyable contre les nordistes, comme ça qu'on les appelle d'ailleurs. Nordistes, a dit ceux qui viennent du nord, parce que pour lui, jusqu'à preuve de contraire, ils ont toujours vécu sur les richesses du sud, et pour lui, il fallait justement un divorce entier et total. Écoute, il faut bien indiquer que c'est vrai, Patrick a planté le décor, mais il a oublié un élément fondamental. Je l'ai laissé pour toi. À savoir que Thomas Isidore Sankara s'inspire de quatre personnages historiques du combat panafricaniste. Il s'agit d'abord de Oumyobé, il s'agit de Samora Machel, de Patrick Lumumba et surtout de Kwame Nkrumah. Et il avait pour parrain, dans le cadre de cette formation panafricaniste, dans le cadre de la révolution panafricaniste,
le guide libyen de l'époque, Mouammar Kadhafi. Oui. Donc, et bien évidemment, parce que et c'est là pendant qu'il a donc commencé à faire ses classes, à dire que il était surpris de l'autonomie de la population libyenne vis-à-vis justement de la prédation internationale. Parce que tout à l'heure, lorsque Patrice a parlé de la rupture, donc, définissait la définition de la révolution, il s'agit justement d'une rupture, mais une rupture vis-à-vis de qui? Une rupture justement vis-à-vis de la France et de l'Occident d'une manière générale. Oui. Parce que justement, il est inconcevable que vous êtes riche, mais vous ne profitez pas de votre richesse, ce sont les autres qui profitent de votre richesse. Donc, il fallait donc engager cette rupture. Et justement, quand Sankara commence donc à prendre ses classes du côté de la Libye, il voit que comment un désert peut-il devenir un oasis. Il va donc là-bas et finalement c'était l'enfant de tout le monde, c'est-à-dire M. Sankara, qui s'est débarrassé de ses oripeaux de chef d'État, revenait, était devenu ce personnage ordinaire qui ne crée pas de mythe autour de sa personne. Et j'ai lu, c'est un témoignage d'enfants, d'adolescents qui étaient des révolutionnaires formés qui au maniement des armes. Oui. Et c'est eux qui assuraient pour la plupart, n'est-ce pas, sa sécurité. Camarade. Justement parce qu'il fallait que, il était sûr que ce qu'il engage, enfin, il était conscient des dangers, des risques de son combat. Plusieurs fois, notamment, il a prophétisé sa mort dans cette fameuse tribune de l'OIA. Et il a même encore prophétisé sa mort une seconde fois à la place des nations, à Burkina Faso. Où il disait que tu es, n'est-ce pas, Sankara, il en est au moins 100. Mais qui peut-on dire justement qu'après cela, il y a justement 100 Sankara qui sont nés? Je pense que, vous savez, lorsque les leaders d'une révolution sont décapités, il y a très souvent des sentiments de peur, des tergiversations. Oui. Mais ce qui s'est passé avec le départ, n'est-ce pas, de M. Blaise Compaoré, c'est une révolution. C'est une très révolution parce que c'était quelque chose d'inacceptable. J'allais dire d'inimaginable sur le continent africain, mais c'est la révolution qui a fait partie Sankara. Blaise Compaoré, autant pour moi. Donc je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, pour revenir à votre question, c'est quoi? Il faut réorganiser, n'est-ce pas, cette lutte-là. Parce qu'après ce moment de tergiversation, il faut la réorganiser, cette lutte. Et je pense que d'abord au niveau des Sankaristes, c'est-à-dire au niveau des pionniers, il faut réorganiser cela parce qu'il ne faut pas que la révolution se limite au niveau du dépôt des gerbes de fleurs sur la tombe, n'est-ce pas, des combattants. Non. Il faut que, après, justement, les messes médiatiques, après le dépôt des gerbes de fleurs et toutes, n'est-ce pas, ces hommages qui peuvent être rendus avec, n'est-ce pas, les messes des requiem, il faut véritablement rentrer sur le théâtre du combat, c'est-à-dire s'organiser. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire, et vous à moi, nous constatons aujourd'hui que justement le panafricanisme est en train de gagner du terrain sur le continent africain. Et ailleurs également, il ne faut pas seulement dire sur le continent africain. Nous sommes en Afrique, moi j'aime d'abord parler de ma chapelle. C'est-à-dire que je prêche pour ma chapelle. C'est-à-dire que le panafricanisme est en train de gagner. On a également des Africains qui sont de par le monde hein, et qui nous écrivent d'ailleurs tous les matins. Même les gilets jaunes qui sont en France, oui. ils sont panafricanistes, hein, contrairement à ce qu'on croit. Mais les médias les présentent comme étant les alters mondialistes, mais ce sont des panafricanistes. Parce qu'ils ne veulent plus, justement, il faut que les dirigeants français leur disent la vérité. Parce qu'eux, ils sont conscients de ce que, justement, la politique française en Afrique, c'est une politique française redoutable, qui est anthropophage, tant pour moi, qui est cannibaliste, qui est destructiste. Donc, ils le disent, c'est pour ça que, justement, ils sont muselés. Quand j'ai dit cela, c'est pour dire quoi? C'est pour conclure que, dans ce premier jet, pour dire qu'effectivement, la révolution est toujours en marche, peut-être pas avec la même ferveur que lors de ses premiers moments de démarrage, mais elle est en marche. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a un sentiment anti-français sur tout le continent africain. Ça veut donc dire qu'il y a une prise de conscience qui est en train de naître. Il faut, c'est vrai que nous sommes envahis par ce que nous appelons généralement les nègres de maison. Eh bien, nous sommes envahis, mais je crois que la majorité va triompher. Je crois également que pour revenir déjà dans le cadre du contexte burkinabé, où justement il y a ces leaders, ces Sankara qui doivent complètement porter le flambeau de la continuité de la révolution, je crois qu'il faut
il faut une sorte de réorganisation oui. du mouvement panafricaniste de ce côté-là. Il faut qu'il se réorganise parce que j'ai eu dire qu'à l'intérieur même des Sankaristes, il y a des fractures. Ça ne devait pas être comme ça. Ce n'était pas ça la vision, n'est-ce pas, du leader qu'on appelle Sankara. La vision, c'était quoi? C'est que qu'il y ait un panafricanisme, qu'il y ait une révolution inclusive et endogène, donc totale. Il n'était pas question justement de faire comme tout à l'heure Sapak l'indiquait dans son coup de gueule, notamment parlant de la Côte d'Ivoire, où justement vous avez des individus qui vous donnent l'impression qu'ils ne sont pas du tout d'accord, mais en même temps, ils sont en train de se prosterner devant le même Dieu qu'est, n'est-ce pas, l'impérialisme occidental, et qui sont des pions. Je prends le cas de celui que vous appelez Kakabé. Kakabé, il a reçu tout récemment beaucoup d'argent. Un homme politique qui a déraillé le loyer, et il y a un gros problème. Hein. Bon, c'est juste une parenthèse. C'est pour Merci, dire, on vous comprend. On a pour chuter. Pour chuter. Vous l'avez déjà dit, allons-y. Mais pour chuter. Pour chuter, je pense qu'il y a... Il y a urgence, n'est-ce pas, à remobiliser les troupes. Il ne faut pas que ces zéros soient morts pour rien. Éric Bépin-Bikaï, on ne va pas quand même parler de Sankara tout en disant, bon, c'était un très grand héros d'ailleurs pour tous les Africains, mais il était également entouré de naïfs, de personnes qui ne comprenaient pas encore ce qu'il portait comme révolution, de naïfs et sans oublier également de traîtres autour de lui. Sans oublier qu'il faut quand même dire que Blaise Compaoré n'était pas seul autour de lui. Généralement, dans ce type de projet, on a toujours des gens qui t'entourent et puis qui ne font pas la différence entre le courage et l'idiotie, forcément. Parce qu'à un moment, on s'amène un peu la pédale. Il ne faut pas oublier que le projet Sankara s'est étalé sur 5 ans. Et au sorti de ses formations à l'école militaire interne de Yaoundé, il faut rappeler que c'est l'une des écoles militaires du continent les mieux structurées. Oui. Donc, il ne formait pas à cette époque-là, et même maintenant, des éléments qui peuvent ne pas être considéré comme étant les éléments de qualité. Donc, Sankara en est un fruit et nous en sommes fiers de cette école-là, justement. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'ils arrivent, ils font le coup d'État à Jean-Baptiste Ouédraogo en 83. Au départ, il n'est pas choisi pour être celui-là qui doit diriger la junte au pouvoir. Et spontanément, ses pairs estiment qu'il a les qualités nécessaires pour pouvoir mener à corps et à cri cette révolution-là. Oui. Et la plupart des révolutions, soit elles sont spontanées, soit elles sont pensées. Peut-être dans le cas du Burkina Faso, c'était une révolution spontanée où seul, peut-être Sankara et un certain nombre de cliques de personnes ou de personnalités avaient une vision de ce qu'on voulait faire du Burkina Faso. Déjà, il a planté le décor en changeant la dénomination de ce pays de Haute Volta à Burkina Faso, pays des hommes de Intec. Il a fait un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas également oublier qu'il a inscrit sa révolution, du moins la révolution, sa révolution sur plusieurs pans. Peut-être à un moment, ça a été difficile parce qu'il y avait d'abord une révolution sociale qui, jusqu'à aujourd'hui, qui par contre, elle a porté des fruits parce que la sociabilisation que Sankara a portée au début des années 80 au Burkina Faso est ressentie de nos jours. Parce que quand vous arrivez au Burkina Faso, vous sentez quand même des hommes disciplinés en termes de notions civiques. On ne viole pas les feux de signalisation, même si on est avec sa bicyclette. Il y a un certain nombre de choses qui sont un peu qui reviennent. Et il y a le communautarisme, c'est-à-dire le fait que les gens travaillent ensemble pour produire des résultats. Il ne faut pas oublier que Sankara fait construire un chemin de fer entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso, presque avec la main, avec l'apport de la population. Chacun ramassait les pierres à gauche, l'autre cassait ainsi de suite. Ce sont des faits d'armes. Il a instauré le nettoyage collectif au sein des populations. Bon, il ne faut pas également oublier qu'il a redonné la dignité à la femme, à l'intérieur de cet espace-là qui était un espace conservateur lié aux traditions. Dans son organigramme, les femmes ont joué un rôle fondamental, que ce soit au pays ou à l'international, où elles ont porté la voix du nouveau pays Burkina Faso. Et il y en a encore aujourd'hui qui sont encore inscrits dans le circuit des institutions internationales et qui présentent des résultats auxquels le Burkina Faso et l'Afrique peuvent être fiers. Bon, donc, ça veut dire que ce sont un peu les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir faire une évaluation de la révolution sur le guide Sankara, disons ça comme ça. Mais ça a aussi été difficile, parce qu'il ne faut pas oublier, on le dit, tout le monde le dit, que la souveraineté d'un pays se mesure sur deux choses. Il y a sa monnaie, mais il y a également la capacité de ce pays-là à avoir une langue. Et quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit l'axe sur lequel les Africains vont inscrire leur lutte, ceux, notamment de l'Afrique francophone,
qui ne peuvent pas être capables d'avoir la monnaie et d'avoir la langue. Il y aura toujours des soubresauts par rapport à l'élévation, ou du moins à l'implémentation des idées que les différents leaders peuvent concevoir. Ça a été le cas de Sankara. Tout le monde a compris que sa principale difficulté était liée au fait qu'il ne disposait pas suffisamment de ressources pour pouvoir implémenter sa raison. Mais il a également été beaucoup aidé dans cette tâche-là. Il s'est rapproché par exemple du leader cubain qui lui a apporté son expertise technique, notamment au niveau de l'assistance médicale. Il s'est rapproché de l'URSS qui n'était pas encore démantelé à cette époque-là, qui eux également ont apporté de leur aide pour implémenter la vision de Sankara. Mais visiblement, ce n'était pas suffisant parce que lui l'a compris très tôt que s'il était seul à s'engager dans cette voie-là, il devait se faire guillotiner. C'est la raison pour laquelle il tient ce discours lors du sommet de l'OEA. Le 29 juin 1987. Voilà, où il dit à ses pairs qu'il est question aujourd'hui de se mettre ensemble et de refuser de payer la dette. Parce qu'en réalité, comme disait Sapak tout à l'heure, il y a une dette morale que les Occidentaux nous doivent. Il y a d'abord la dette de la décolonisation avec des milliers de morts, mais davantage, il y a la dette de l'esclavage. Yes. Parce qu'on veut toujours chiffrer cette dette. Mais on ne parvient pas à être capable de pouvoir quantifier combien les Occidentaux doivent aux Africains par rapport simplement sur le seul pan de l'esclavage. Il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont battu leur fortune à partir de cette histoire de l'esclavage. Parce que la fortune, les plus grosses fortunes occidentales aujourd'hui, ont pris naissance à partir du trafic des êtres humains sur l'Atlantique, au niveau de l'Atlantique. Donc, ce sont des réalités que Sankara posait à cette époque et les réalités que ses pères de l'époque ne percevaient pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai toujours cette vidéo en image. Après le discours de Sankara, la première personne à se moquer de Sankara, c'est le président Mobutu. C'était visible. C'était la première personne à se moquer de lui. Donc, que le petit Sigira comme quoi. Mais ce qui est encore frappant dans la vision de Sankara, c'est son extrême jeunesse. Mais également, sa haute culture. Parce qu'il avait eu le temps de s'en foucher dans le marxisme, dans le léninisme. Il avait compris, essayé un peu de faire une jonction entre toutes les idéologies et de choisir la voie du Burkina Faso. Donc, je me réjouis aujourd'hui que le monde universitaire commence à comprendre l'impact intellectuel que Sankara a apporté sur l'émancipation du peuple africain. D'ailleurs, le professeur Jean-Emmanuel Pondu, qu'on ne présente plus, a commis un ouvrage en 2016 intitulé « Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle ». C'est aux éditions Afrique Éveil, un document de 194 pages, où il plante le décor en disant qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'on peut se construire une Afrique sans toutefois se focaliser sur un certain nombre de personnes ou de personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et parmi ces personnes et ces personnalités-là, il a justement rendu hommage à Thomas Sankara. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire pour ce grand homme. Malheureusement, le fait que, pour revenir un peu à l'histoire sud-africaine, il ne faut pas oublier que pendant la lutte contre le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, il y avait bien un peuple qui était contre la bande à Mandela. C'était un peuple, le peuple Zulu, notamment le roi Zulu. À un moment, après ça titré, lorsque le roi sortit son arme pendant une manifestation contre un compatriote noir, en disant « De quel côté des larmes es-tu ?» Donc, parfois, on peut se poser la question de savoir de quel côté des larmes se situent effectivement les Africains. André Blaise. Il y a deux éléments que je voulais mentionner rapidement. Oui. Oui, pour qu'on ne perde pas, parce que nous ne sommes pas oubliés, c'est que Sankara était un visionnaire. Il a parlé, il a été le premier président africain à parler de la déforestation et des changements climatiques. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, est devenu un patrimoine mondial prétendument, et on organise les COP 21, COP 28 et COP 68, parce qu'ils doivent énormément à la nature. Donc, ils veulent que l'Afrique les aide à payer la dette. Or, Sankara avait déjà balisé le chemin. En même temps, qu'il a changé les véhicules de fonction en Renault 5 et réduit les salaires de tous les ministres pour dire que personne ne va plus voyager en première classe. Tout le monde va rester en classe économique pour éviter d'aller dépenser. Parce que quand l'avion décolle, tout le monde décolle au même moment. Donc ceux qui sont en classe affaires et en classe économique, c'est au même moment qu'ils décollent. Et lorsqu'ils atterrissent, c'est encore au même moment qu'ils vont atterrir. Il est inutile d'aller dépenser l'argent du pauvre contribuable parce qu'on veut bénéficier des avantages plantureux en classe affaires. André Blaise Sama, il faut également préciser que Thomas Sankara avait une originalité, celle de travailler justement avec les populations, construire des routes avec des mains, construire des chemins de fer avec toutes les populations. On a l'impression que l'exemple qu'il a laissé, les autres chefs d'État sont justement passés à côté. Amoureux de son peuple, je peux penser peut-être qu'on peut résumer tout ce qu'on a dit
en amour oui. pour son peuple. L'amour, en ce sens, Monsieur Ngos, quand vous aimez votre peuple, il y a des choses qui se font naturellement. L'amour est ce qui nous manque et qui manque à plusieurs leaders. L'amour de l'Afrique, faire naître l'Afrique en soi. Est-ce que nos dirigeants nous aiment? C'est cet amour qui pousse Thomas Sankara à éduquer son peuple. Et je vais m'adresser à une formation politique. Se révolter pour le compte d'un peuple ignorant revient à s'immoler par le feu pour éclairer le chemin à un aveugle. J'espère que cette formation politique va comprendre la portée de qui était Thomas Sankara. Parce qu'il y a des professeurs au Cameroun, il y a des intellectuels, mais beaucoup n'ont pas compris qu'il faut d'abord éduquer son peuple, le prendre à corps, faire en sorte qu'il y ait une grande masse critique. Oui. Et je vais remercier M. Anatole Aïssi qui a dit que Ruben Niobe était la lumière de Thomas Sankara. Si Thomas Sankara est un saint, Niobe alors. On vous comprend parfaitement. C'est un très grand saint. En fait, je voudrais revenir en disant que l'impérialisme, la colonisation, étaient des choses qui allaient contre les intérêts. C'était des menaces sur nous. Jusqu'à présent même, pourquoi je cause la langue française? Mene français. Masi qui français. Mene samandre blessi. Quoi, quoi, kasibonga, si bien morozom, bingasie, à où? Oui. Et c'est pour cette raison que Thomas Sankara s'indignait du fait que l'Africain continue de consommer ce qui n'est pas à lui. Nos parents ont inventé de très belles langues. Moi, j'étais très fier de votre plateau hier où M. Patrick Sapak a si bien révélé l'importance des civilisations africaines. Vous avez marqué, comme ça avec M. Aïssi, comment les Africains mangent assis sur une table et tout le monde dans la même assiette. Parce que ça crée des affinités. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais les Camerounais vont copier avec les fouchettes, avec et ceci. Et quand ils sont assis, ils tournent le dos comme ça. Ils mettent du poison dedans. Nous rions, mais c'est la réalité. L'individualisme est déjà très, très développé. Et il est temps d'être amoureux de l'Afrique. Comme vous êtes amoureux de DBS, monsieur Ngos. Je suis amoureux de l'Afrique. Vous êtes amoureux d'abord également de ce travail que vous menez. Parce que je ne vais pas vous mentir. Je vois le cadre dans lequel cette émission se déroule avec l'interactivité en arrière-plan. On voit certainement le réalisateur va m'envoyer la photo de l'université, la plaque inaugurative du monument de Thomas Sankara, l'université Thomas Sankara. L'université même. Peut-être il faut rappeler que quand on parle des monuments, aujourd'hui, chacun peut, même si la communauté urbaine est devenue la mairie de Douala, chacun peut fabriquer son petit monument porte-clé. N'attendez pas, parce que quelqu'un comme Kémy Séba disait, ce que les dirigeants ne feront pas pour leur le peuple le fera pour lui. C'est les intérêts des Africains qui sont mis en jeu. La monnaie qui est encore en cours, Pwemi Tchindjam avait si bien élaboré au Sendi Afana, le chantier pour sortir. Est-ce que les amoureux, je m'adresse en ce moment à nos forces de défense camerounaises, est-ce qu'il manque de l'amour? Je ne demande pas qu'il verse bain de sang un jour dans ce pays, jamais. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour les coups d'État. Mais je dis, s'il y a suffisamment d'amoureux de nos forces de défense, et je remercie toutes les forces de défense qui ne m'ont jamais frappé, qui ne m'ont jamais giflé, qui ne m'ont jamais manqué de respect, je remercie tous ces grands qui sont dans les forces de défense et qui ont compris que Thomas Sankara avait raison, c'est-à-dire qu'un militaire sans idéologie politique est un criminel. En puissance. Parce que ça n'en est pas un violent. D'abord, quand je propose la réhabilitation de nos grandes figures, ça va de l'intérêt de nos forces de défense. Il y a un grand général comme Kodi Jacob, comme Douala Massango, qui avait refusé de tirer sur les populations en février 2008. Voilà quelqu'un qui doit avoir son monument au Cameroun. Il y a des personnes dans l'armée camerounaise, le lieutenant Ndonken. Pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas honorés? Et ces hommes qui sont régulièrement en train de faire des patrouilles dans la ville, en ce moment le phénomène des microbes, ça fait feu. Toutes ces personnes devraient avoir ce que j'appelle un accompagnement dans ce qu'ils ont comme mission.
Parce que c'est sa bonté que la méritocratie aussi peut exister. Je vais profiter pour remercier Emmanuel Pondy qui a fait venir Myriam Sankara, l'illustre épouse de Thomas Sankara. Et c'était à l'hôtel Sawa, pour ceux qui vont regarder ma page Facebook. C'est elle qui a préfacé le livre de pour Emmanuel Pondy. Exactement. Alors, lors de cette belle, de ce grand événement à l'hôtel Sawa, j'étais si content d'être à côté de Madame Myriam Sankara. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Cette femme, malgré le temps qui passe, elle avait un bon niveau pour pouvoir continuer même la lutte. Et ne nous étonnons pas qu'un jour même elle soit peut-être président de la République au Burkina Faso. Ce serait même de l'égide. Parce qu'elle est aimée par le peuple burkinabé. Ce que je voudrais dire, c'est que 33 ans après, si le peuple burkinabé a réellement eu la grâce d'avoir ce saint, moi je suis burkinabé, hein. Faut pas que quelqu'un dise que ça m'a été camerounais. Moi je déteste le nom Cameroun parce que ça vient de rivière des crevettes. Je ne peux pas m'identifier à une crevette pendant que d'autres... Donc, si les Portugais arrivaient ici et ils trouvaient les rats, on allait dire, voilà, le rat, tiens. Non, moi, je ne suis pas un rat. Je ne suis pas une crevette. Je suis un fils de Oumiobé. Je suis un fils de Douala Mangabel. Je suis un fils de l'Afrique profonde. Je suis le frère de Patrick Sapat. Je suis le frère de M. Ngos. On ne peut pas m'attribuer un nom. Parce que dénommer quelqu'un, c'est également faire une influence sur son avenir. C'est pour ça que métaphysique. Oui, merci, monsieur Sapak. Il a trouvé tout est clair. C'est spirituellement que les Camerounais sont captifs. Il ne faut pas aller par derrière. C'est-à-dire que si le Burkina Faso aujourd'hui, pays des hommes honnêtes, et Patrick Sapak l'a révélé dans sa prise de parole, un pays qui était extrêmement malhonnête, parce qu'il y avait des gens qui étaient toujours des larbins. Et moi, je voudrais peut-être revenir sur ce que vous avez dit. Thomas Sankara n'est pas venu au Cameroun pour apprendre à faire les coups d'État. Il est venu apprendre à aimer son peuple. Puisque son professeur, c'est Ruben Oumiobé. Oumiobé était un amoureux. Pourquoi Oumiobé n'a pas fait un coup d'État? Peut-être on va dire que parce qu'il n'était pas dans l'armée. Donc, Issama ne peut pas entrer dans l'armée. Non. Quand vous aimez votre peuple, il y a plusieurs manières de le démontrer. De prendre justement. Et je vais terminer par la jeunesse. Oui. Est-ce que cette jeunesse s'approprie, à juste titre, ce que vous êtes en train d'avoir comme si grande lumière, parce que c'est une lumière. La lumière, on ne la met pas sous la table. On la pose sur la table. Et ça éclaire les invités, ça éclaire tous ceux qui viennent. Quand on arrive à Douala, qui est à la tête des grandes décorations? C'est un type qui est en prison là-bas à Bonanjo, Leclerc. Mais s'il s'appelle Philippe Otoclock réellement, il ne fait pas partie des héros du Cameroun. Il a été un homme qui a chosifié, banalisé la vie des Noirs. C'est pour dire quoi? Si les Camerounais réellement, qui sont dans l'armée, acceptent de procéder à la décoration digne de nos espaces publics, tous ces monuments des colons vont disparaître. D'ailleurs, dans tout le monde entier, tous ces monuments tombent. On met plusieurs monuments des grands Noirs, des femmes noires. Parce que ce sont les Noirs qui ont aidé la France à se séparer de Hitler. Mais aujourd'hui, malgré la mesure de M. Emmanuel Macron, il y a très peu de maires qui ont accepté de faire ce que Emmanuel Macron a dit. C'est-à-dire que donner aux anciens combattants la valeur sur les espaces publics. Il a dit ça. Et quand il dit en Algérie, la colonisation doit être considérée comme un crime contre l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on doit donc célébrer les criminels? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va être encore honteux pour l'Africain? Après plusieurs années prétendues d'indépendance, nous sommes déjà en train de passer à 50, 60. Mais nos frères de la partie du nord, ouest, sud-ouest, qui se sont ramenés vers nous, les papas Ndetoumaza avec One Cameroun, pourquoi n'ont-ils pas leur nom sur les rues? And all those who have the sharing of the French language, how could not be able for us to easily write on the street of Douala, street instead of rue. C'est un problème. La discrimination, même la monnaie que nous utilisons, pourquoi il n'y a rien écrit en anglais? La constitution nous propose d'avoir une monnaie qui soit bilingue. Merci beaucoup, André Blaise Issama, pour sortir rapidement. Je suis très content de rappeler que lorsque Thomas Sankara dit l'OUA ne peut être au service de l'Afrique, tant qu'elle ne combat pas l'impérialisme, le colonialisme et même le sionisme.
Merci beaucoup. Et justement, jusqu'à preuve de canton, on se pose bien des questions sur l'OUA, justement, pour ne pas dire l'Union africaine. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages avant de revenir à vous pour conclure justement cette édition de DBS Matin de ce vendredi. Je sais, oui, bon, vous verrez bien. Bonjour DBS, c'est Latifou Mola depuis ce côté au Togo. Courage à vous, Thomas Sankara était et est et sera. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs, c'est ce qu'il écrit. Et sera toujours la flamme de la révolution africaine de toutes les générations. Mais il avait été mal compris. Même aujourd'hui, il est toujours par certains Africains. Mais cela lui a empêché d'essayer. Ne lui a pas empêché d'essayer. Il n'avait eu le soutien de ses pairs, président d'alors, parce que d'un côté, le blanc était toujours dans ses manigances de division des Africains. Avant son assassinat, le blanc lui a durci, lui a noirci auprès des autres présidents autour de lui. Par exemple, en septembre 1986, une attaque était orchestrée contre Yadema Nyasimbe du Togo et les sources lui révélaient que c'était monté par Thomas Isidore Sankara et Rowling du Ghana. De l'autre côté, vous verrez que tous les présidents n'étaient tous au même niveau de dignité, de patriotisme, de leadership, et ce jusqu'à nos jours, mes frères. Allons seulement et plus d'optimisme. L'unité d'action viendra un jour. Merci à vous. Merci également à vous, Latifou Mola, ce matin pour votre réaction. Bonjour DBS, bonjour le panel. Très bon thème ce matin. La mort de Thomas Sankara a été une tragédie pour la jeunesse africaine et le précaré français a été complice de son assassinat. Ma question ce matin au panel, n'est-il pas possible pour nos États d'informer les populations sur les accords de coopération et ensuite organiser un référendum pour qui ou pour oui ou non si on doit continuer avec ces accords qui tuent les Africains de l'Afrique, les enfants de l'Afrique. Bonne continuation, Richard de PK19. Abassa, je vais rapidement vous poser la question, Albert Anatola ici. Pourquoi est-ce que les chefs d'État africains ne peuvent justement pas prendre l'initiative de faire un référendum, de demander aux populations s'il faut justement éliminer les accords lyonnais avec la France et les autres occidentaux et pour que la population réponde par oui ou par non? Qu'est-ce qui empêche d'ailleurs ces chefs d'État de le faire? On n'a pas besoin d'un référendum pour ça. Tout le monde vit, n'est-ce pas, subit des conséquences de ces accords Léona que vous évoquez. Donc on n'a pas besoin d'un référendum pour ça. Tout le monde, les populations savent que le franc CFA, c'est tout sauf monnaie et elle nous appartient pas cette histoire-là. Les populations savent que nos richesses sont pillées. Mais il faut une décision quand même. Il faut ratifier une décision. Oui, disons que la décision doit pas, le référendum ne doit pas être organisé dans le cadre de la rupture des accords Léona. C'est ce que Thomas Sankara demandait. Il a demandé haut et fort ce jour du 29 juin 1987. J'y arrive. Oui. C'est trop long. Ça a été trop long. Oui. C'est le temps que nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes infiltrés, envahis. Vous allez avoir des cacophonies qui vont être manipulées, ou peut-être les états même des référendums peuvent être manipulés. Non. Par contre, là, on a besoin d'un référendum. Et là, c'est juridique, c'est politique. C'est au niveau, par exemple, de la monnaie. Et encore, même là-bas, on n'a pas besoin d'un référendum pour avoir sa monnaie. Deuxième chose, et là, c'est le plus gros problème, en fait. Il faut une intégration continentale, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas, Patrice. C'est pas votre réaction rapidement? Les chefs d'État, les chefs de cantons français et occidentaux, à la tête de nos États, ne sont pas arrivés par le couloir normal, celui de la perfusion du suffrage populaire. C'est de ça qu'il est question, Steve Jolin. Vous savez, la sérénité, la fluidité dans la pose des politiques publiques elle fonctionne de la manière dont on arrive au pouvoir. Vous n'allez pas demander aux gens qui ont bénéficié justement de ces accords bidons et bizarres que l'on a actés avec ces bandits internationaux de venir justement, puisque ce sont ces bandits internationaux qu'ils ont installés. Si vous regardez dans le précaré français, puisque à ce moment-là, on ramenait justement le Burkina Faso dans le précaré français, eh bien, ça a été des premiers ministres qui n'avaient aucune légitimité, qui ont signé des accords de manière illégitime et illégale parce que signés entre des pays qui n'étaient pas encore souverains, c'est-à-dire qui étaient sous tutelle, et l'un pays souverain, la France. Donc, c'est des accords nuls et faits. Mais eux, ils ont la France à tolérer, combattu et provoqué les coups d'État en Afrique en conformité avec le décret de docilité de nos leaders vis-à-vis des intérêts. C'est pour ça donc qu'ils sont passés par plusieurs mécanismes. Soit les escroqueries politiques et les banditismes démocratiques d'exercer en élection, comme je disais tout à l'heure, pour ce qui se passe en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire, ou alors par des coups d'État, parfois sanglants, ce qui nous a amené au bilan désastreux que j'indique souvent. 69 coups d'État avec 29 leaders et présidents assassinés. Donc, ces gens qui arrivent, ils ne sont pas redevables des populations, mais plutôt redevables des mécanismes qui les ont amenés au pouvoir. Alors, parmi les mécanismes, justement, il y a ces blocages structurels. France CFA,
qui ont des opérations, l'autonomisation des banques centrales, des choses comme ça, ils ne peuvent pas s'y attaquer parce qu'ils savent qu'ils tiennent leur pouvoir dans cette affaire. C'est pour ça que j'ai parlé de démocratie qui se brise constamment en morceaux face à des hommes déterminés à se fossiliser au pouvoir, en autant que la plupart des pays du monde se revendiquent la démocratie parce qu'elle recouvre un ensemble de valeurs. État de droit, respect de la loi, séparation de pouvoir, alternance au pouvoir, égalité, etc. C'est une école de gestion des contraires qui enseigne à des personnes qui n'ont pas toujours la même vision des choses, la même conception de la vie, à vivre ensemble, à se tolérant mutuellement. Donc il faut écouter les autres. Mais quand vous avez des pouvoirs soliloques qui ne s'écoutent que même, totalement usés par la brutalité de la corruption, totalement aveuglés par des alliances sataniques et le violent désir de conserver leur position, eh bien, ils sont inaptes à faire ce que vous êtes en train de dire. Et donc, je dis à notre frère APK19 que c'est techniquement impossible tant qu'on a des hommes liges à la tête de nos États, parce que c'est eux qui tiennent la volonté politique. On vous a compris. Encore, il faut préciser que lors de la signature de ces fameux accords Léonin, les pays africains n'étaient représentés que par... Enfin, la France signait des accords avec la France. La France signait les accords avec la France, on vous comprend parfaitement. On a vu le cas justement du côté du Congo à cette époque. Mais si on va revenir avec vous dans un instant... Allez-y. Je voulais rien par rapport aux accords. Il ne faut pas oublier que les accords peuvent être rompus à tout moment. N'oublions pas, par exemple, rappelons-nous de l'accord signé entre l'Éthiopie et l'Italie qui a conduit à la bataille d'Adoa le 5 mars 1896. Justement, c'est que l'Éthiopie signe un accord d'amitié avec l'Italie. L'Italie transforme cet en araménien. L'Italie traduit cet accord en accord de protectorat et ramène le texte en italien pour présenter ça au roi Ménélik II qui lui dit que mon ami, j'ai signé un accord d'amitié et non un accord de protectorat. Ça en est suivi de la bataille d'Adoa qui a abouti à l'humiliation de l'Italie sur cette partie de l'Afrique-là. Donc, les accords, on peut les rompre à tout moment, à partir du moment où elles ne nous les apportent pas grand même si ces chefs d'État sont en prison. Et il y a aussi un élément que a évoqué. Rapidement. Hein. C'est que les accords ont été signés à cette époque entre la France et la France. Il ne faut jamais l'oublier. Mais pendant ce temps, les chefs d'État sont en prison. On va revenir. Ils sont en prison, ils sont coincés à l'intérieur de ces accords-là, auxquels eux-mêmes ils ne se reconnaissent pas. Oui, merci, monsieur. Bonjour, dis bien spécialement à Papa Isama. Je salue votre immense sagesse. Nous vous voulons sur le plateau le plus souvent. Bonne journée à tous. Boris Chapelle-Siméon à Yaoundé. Merci également à vous, Boris, depuis Chapelle-Siméon à Yaoundé. Bonjour à vous. Je voudrais dire que ce que vous dites, c'est ce qui vous fait. Ce que vous dites, c'est ce qui vous fait, parce que il faut donner le bon exemple. Ulrich de l'Entrebille. Bon, Ulrich de l'Entrebille. Bon, je comprends pas ce que ça signifie. Bien. Le bonjour à vous sur le plateau, un bonjour particulier à monsieur Haïtien, merci à DBS pour la conscientisation des Africains en général et des Camerounais en particulier, Stanislas depuis Marois dans l'extrême nord du pays ce matin. Bonjour à tous sur le panel, c'est monsieur Otoyaoundé Foulan, mon coup de gueule s'adresse encore et toujours à ces sociétés qu'au départ s'appelaient E2C, ensuite Eneo et actuellement Sonel, qu'elles rétablissent le courant électrique à Fifina Village situé à 30 km de Kribi Axe et à Kribi. 9 semaines sans courant électrique. Pardon, Eneo. Bon, à propos de Thomas Sankara, on ne peut pas célébrer ce 33e anniversaire sans rendre un hommage appuyé au président Sassou Nguesso, qui a été informé par la Russie de la décision prise par Paris d'éliminer Thomas Sankara. Le Burkina Faso avait été coupé téléphoniquement du reste du monde. Sassou Nguesso a dépêché son ministre des Relations extérieures aller le dire à Thomas Sankara, comme il l'a fait escale à Abidjan, où Fouad Boigny a fait annuler tous les vols en partance pour le Burkina Faso. Merci en tout cas pour cette information ce matin, monsieur Otou depuis Yaoundé, précisément à Ifoulane. J'espère que le couloir va revenir depuis quelques semaines, ça fait 9 semaines déjà. Bonjour le très grand journaliste Ngos et à tout le panel sur la meilleure des chaînes en Afrique. Lorsque les Africains quitteront les églises, les mosquées et toutes ces religions importées, l'Afrique se lèvera. Thomas Sankara, puisqu'on parle de lui, est toujours vivant en chaque Africain. C'était un véritable prophète. Les mots me manquent lorsque j'écoute encore ses discours et surtout celui qu'il a fait à l'OUA, et il a prédit sa mort, mais c'était plutôt la naissance éternelle. Je crois qu'une nouvelle Afrique naîtra, dirigée par des Sankara, Kadhafi, Mugabe, Lumumba, Oumyobe, Sékou Touré. Et Tessera, bonne journée à vous les Sankara, du micro et des plateaux. Bayan, le patriote depuis Douala. Merci également à vous, Bayan, ici même à Douala. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, c'était
c'était pas un coup d'État, ni même une révolution, c'était plutôt une trahison. Blaise Compaoré avait trahi Thomas Sankara, c'est Machiavel. Bon, pour lui, ça reste et demeure une trahison. Voilà, tout le monde le sait. Hommage à Thomas Sankara, il y a 33 ans, le 15 octobre 1996, le grand Thomas Sankara était lâchement assassiné sous l'ordre de l'impérialiste de la République française coloniale par le psychopathe François Mitterrand. Thomas était un homme politique et un chef de l'État panafricaniste, résolument anti-impérialiste, un dirigeant et un leader intégré. Intègre et exemplaire, il est de notre mémoire. Nous rendons gloire à son œuvre en tant que militant. Nous rappelons que nous appelons constamment à la perpétuation de ce Thomas Sankara, ce que Thomas Sankara a initié en son temps en allant parvenir à nos libérations complètes. Vive la révolution panafricaine, Sankaris Adamou depuis Maroua. Bonjour le plateau et merci à DBS TV. Je crois que la révolution traîne toujours parce que les vrais héros entre Thomas Sankara sont partis tôt, malheureusement, à Zaire depuis Agoé au Togo. Bonjour DBS, bonjour au panéliste de la révolution de Thomas Sankara est en marche plus que jamais aujourd'hui et demain. Hier, Sankara était marginalisé et les populations africaines ne comprenaient pas encore certaines choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maturité des Africains sur les enjeux de l'Afrique et du monde. Nous devons plus que jamais par le passé nous battre pour couper le cordon ombilical qui nous lie encore et amorcer le développement de l'Afrique. Bartel depuis la Haute-Savoie, c'est en France. Merci également à vous, hein, Bartel depuis la Haute-Savoie ce matin. Bonjour le panel, bravo à monsieur Momo d'être vêtu, pas Momo, c'est monsieur Essama, d'être vêtu ancestralement, il lui reste ses lunettes, sa montre et certainement son slip, Moulium Emmanuel de Bomonoma Mbengue. Bon, apparemment on vous connaît comme ça. Bon, d'accord. Bonjour Steve et T2 Mousquetaire, le Covid-19 nous a ouvert les yeux, il faut que nos vaccins soient made in Cameroun. À quoi servent nos docteurs en doctorat et nos professeurs en professorat? Agrégation. Nos vaccins doivent être endogènes comme la majorité de nos maladies infantiles. Thompson et Han depuis Douala, ici même à Bédi. Voilà, on vous comprend. Bonjour monsieur Ngozo, morceau en vidéo de ce matin m'a vraiment fait couler des larmes. Je comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est très touchant. Que Dieu te bénisse encore et encore, ma panne, ton mbok, Joseph à Douala. Bon, d'accord. Si vous êtes dans les mapas, tant mieux, hein. Messieurs, revenons justement sur le sujet qui nous intéresse ce matin. On a encore 30 minutes hein, pour sortir de cette édition de DBS La Matinale. Je pense à vous tous, vous allez le faire comme ça. C'est pas tous les jours que vous allez avoir ça d'ailleurs. Messieurs, on parle de Thomas Isidore Sankara, 33 ans après sa mort. Je me pose bien la question de savoir, après 33 ans, est-ce qu'on a eu également, depuis 33 ans, est-ce qu'on a eu un autre héros en dehors de Mouammar Kadhafi qui a levé justement la tête et qui en a assassiné justement en octobre 2011? C'est une très très importante question et pertinente, d'autant plus que le peuple, quand on ne voit pas de justice sur ce qui se passe sur les héros, le peuple continue d'avoir peur. Rappelez-vous que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Malheureusement, oui. Ces vainqueurs, c'était des personnes qui n'étaient pas dans la logique humaine. C'était le colonialisme, c'était l'impérialisme, c'était des criminels. Et un criminel ne peut pas être un vainqueur parce que l'histoire va toujours rattraper ce criminel, ce Focard, ce général Lambertoum, ce Mitterrand, je parle de toutes ces personnes et je pense que Blaise Compaoré regarde cette émission. Oui, Nicolas Sarkozy, j'espère qu'il regarde cette émission pour comprendre qu'à un moment donné, l'histoire les jugera et l'histoire exigera que nous fassions des réparations. Donc, quand on est en train de parler de ces autres héros qui ont été fabriqués, il faut déjà commencer par rendre justice à ceux des nôtres. Rendre justice à Thomas Sankara, c'est rendre justice à Ruben Niobe. Rendre justice à Ruben Niobe, c'est rendre justice à Douala Mangabel, à Lok Priso, à Mbappé, à tous ces grands Adama qui avaient créé Adamawa, à tous ces grands. Faire connaître l'histoire de l'Afrique. En fait, il y a un véritable déni de notre histoire. Nous n'avons pas écrit notre histoire. Allez voir les livres d'histoire qui sont actuellement en programme. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Monsieur Ngo, c'est honteux. Vous allez voir combien de phrases parlant de Thomas Sankara, par exemple. Combien de mots parlant de Dine Gosso. On parle de la justice en ce moment. Quels sont les juges qui ont un jour dit, nous allons
écrire à la France pour obtenir réparation de ce qui s'est passé sur Oumiobé. À quoi servent les juges qui sont à la solde, qui soient toujours à la solde de l'impérialisme et du colonialisme? Il y a des juges qui pouvaient s'auto-saisir. On connaît très bien ce qui a fait assassiner, empoisonner Félix Roland Moumier. C'est William Bétiel, même à titre posthume. On pouvait avoir des juges. Vous voulez me dire qu'il n'y a aucun juge au Cameroun qui peut s'auto-saisir? Monsieur Laurent Esso, c'est une honte. Vous faites honte à l'Afrique de ne pas avoir des magistrats capables de faire ce que j'appelle remettre la période historique. C'est même France 2 qui sont encore les documentaires, où on nous montre qui sont même les véritables artisans de la mort de nos héros. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on ne peut plus juger. Il y a ce qu'on appelle le jugement à titre posthume. Il y a une urgence à faire des justices et des réparations pour que les peuples continuent d'avoir d'autres héros. Ne pensez pas que vous allez avoir d'autres héros sans avoir justice pour nos propres héros et surtout ceux qui se sont battus pour notre liberté, pour notre indépendance et surtout pour que nous ayons cette parcelle de terre sur laquelle nous pouvons justement vous présenter cette émission de DBS. Et quand on sait que la peur est ce qui remplit le cœur des enfants, quand un enfant, même dans l'histoire de la forêt, vous arrivez dans la forêt, un petit lionceau s'y voit comment on a massacré sa maman lionne. Mais c'est un traumatisme. L'Afrique est traumatisée. Et il est temps pour ceux qui dirigent de relibérer le peuple. Parce que le vent qui soufflait était très violent. Je vous rappelle qu'on a versé du napalm dans une grande quantité de personnes dans l'Ouest Cameroun. Il est interdit de parler politique. Mais on vous dit qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Les gens croient que c'est peut-être une affaire que ça ne vient pas des Camerounais, ça vient des Français. Les Français ont dit, les Bassa et les Bamileke, aucun d'eux ne sera président. Pourquoi? Parce qu'ils ont un très mauvais signe de l'organisation, que ce soit anthropologique des Bassa, parce que le peuple Bassa avait les Mbombok. Je vous rappelle, les Mbombok sont très puissants. Quand ils n'ont pas acheté. Je suis d'accord. Et c'est clair que la corruption rampante voulait faire croire que les Africains sont corruptibles entièrement. Il y a des Africains, comme DBS, le patron, le PDG de cette chaîne de télévision, n'est pas. La preuve, vous voyez les sujets qu'il déroule sur le tapis rouge et qui sont régulièrement consommés sur YouTube et Internet. Je remercie panafricaniste.com TV qui a régulièrement repris les grandes parties de ton émission, Monsieur Ngosso. C'était pas l'occasion. Merci. Oui, c'est sur Internet, c'est sur YouTube. Je ne réclame pas sous les doigts de terre. Non. Et l'occasion peut-être pour moi de redonner mon numéro statut WhatsApp, parce que dans mes statuts WhatsApp, vous allez voir, je ne fais que la promotion. Que ce soit des réparations que la France devrait, parce qu'il y a un pourcentage des richesses françaises qui doit actuellement être réclamé par l'Afrique. Si l'Afrique ne réclame pas, personne d'autre ne va réclamer. Et pour que ça soit fait, je salue comme ça Kwazulu, ce grand Congolais qui est parti du côté des musées en France, avec bien sûr, mais c'est important, il faut des réparations. Et pour que ces réparations aient lieu, il faut la société civile béninoise, par exemple. Les Béninois, avec des associations, ont exigé de la France le retour des œuvres d'art volées. C'est l'actualité actuellement. Et il faut que les Camerounais, le drapeau, même si on ne doit pas changer pour l'instant, mais le peuple de Oumiobé doit réclamer des réparations. Merci beaucoup, André Blaise Sama. Je vais me tourner vers Eric Pépin-Bigaille. Eric Pépin-Bigaille, jusqu'à preuve de contraire, sur le continent africain. Depuis quelques années, aujourd'hui, on nous a fait croire que tel président est panafricaniste, tel autre en est un autre, tel autre en est ceci, tel autre a peut-être l'héritage de Sankara. Alors que dans le fond, on a l'impression que ces personnes, ils n'ont même pas encore compris même la source, ce qu'était Thomas Sankara. Non, le panafricanisme ne se décrète pas. Je pense que c'est une idéologie qui sévit. Oui. Et c'est la grosse différence entre le discours populaire ou populiste et la réalité. Parce qu'en réalité, le peuple lui regardant sur la réalité. Le peuple prône son auto-émancipation. Le peuple prône son progrès. Surtout, le peuple prône sa sécurité, son auto-glorification. Et il n'y a que les dirigeants qui soient capables d'implémenter ça dans le cadre d'un projet. Oui. Ou alors dans le cadre d'une vision. Mais pour le moment, en Afrique, on joue un peu au jeu du chat et la souris en fonction des circonstances et en fonction des tempêtes qu'un certain nombre de dirigeants traversent ou alors en fonction des relations qu'ils tissent avec leurs éventuels partenaires en Occident.
Mais de nos jours quand même, il y a un discours qui revient, le discours du protectionnisme. Il ne faut pas oublier que tous les Africains ont haï ou haïssent Madame Le Pen en France parce qu'elle tient un certain discours qui semble ne pas aller à l'encontre des intérêts des Africains, oui, qui justement aiment jouer les serpillères pendant que les Occidentaux sont en train de boire du café. Elle, son discours est un discours qui demande que son espace soit prioritairement une acquisition des Français de souche. Mais les Africains aussi devaient tenir ce même discours parce qu'en réalité, rien n'empêche aux Africains de tenir exactement le même discours. Le même discours est tenu par exemple par un Donald Trump. Pépin, mm-hmm. Avant que tu ne continues, il faut bien noter que Marine Le Pen est dans le banditisme idéologique, mm-hmm, parce que le groupe Lafarge qui encadre Simon Kameto au Cameroun, c'est la famille Le Pen. Hein, au niveau du Cameroun, avec la complicité des bandits nationaux. Donc, c'est le bavardage que vous entendez. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. C'est du bavardage. C'est le même, on prend les mêmes et on recommence. Vous inquiétez pas. Comme vous avez dit tout à l'heure. Le même discours est tenu par un certain Trump actuellement. Mm-hmm. On le présente comme étant quelqu'un qui n'est pas dans les salles humaines américains, qui n'est pas incontournable. D'ailleurs, il a bâti toute une idéologie. Vous savez, il y a un mouvement assez mystérieux aux États-Unis qu'on appelle le QAnon. Mm-hmm. Qui est en train de bâtir toute une idéologie sur cette thèse-là. Et où, c'est clair, l'Amérique aux Américains, un retour prononcé au protectionnisme. Le même discours peut être tenu ici en Afrique. N'ayons pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II. Oui. Monsieur Ali Bongo, je veux dire, il tenait le même discours, le Gabon au Gabonais, est-ce qu'il était pourtant panafricaniste? Non, je ne suis pas en train de... On revient là-dessus justement pour demander, est-ce que ces hommes-là, ces panafricanistes, c'est qu'il doit avoir une réciprocité lorsqu'il y a des idées publiques. Il y a des idées qui sont inscrites sur la place publique. Par des principes. Voilà. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que tout à l'heure, on a fait faire l'émission sur Thomas Sankara. Il ne faut pas oublier qu'il avait imposé une réciprocité au niveau du protocole diplomatique. Absolument. C'est-à-dire qu'il exigeait être reçu comme chef d'État. Pendant très longtemps, le gouvernement français s'arrangeait à recevoir les chefs d'État par le biais des sous-préfets. C'est-à-dire que tu arrives dans une ville comme Marseille, et puis on envoie le préfet de Marseille, je ne connais pas le nom de la région, pour recevoir un chef d'État. Plusieurs fois, il est resté scotché dans son avion, exigeant que le protocole d'État soit respecté, comme c'est le cas lorsque les chefs d'État africains et occidentaux arrivent en Afrique. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la courtoisie et du respect. Ça a été implémenté. Aujourd'hui, quel qu'en soit le cas, il est difficile de trouver ce type d'incident. Lorsqu'un chef d'État se déplace, il est reçu accessoirement par un chef d'État. Dans le cas contraire, il est reçu par quelqu'un qui a un niveau équivalent au protocole de l'État. Ça également, c'est le travail de Sankara, parce qu'il a créé un affront pour que ça puisse changer. Donc, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que les Africains restent attentifs à chercher les héros et les héroïques. Il faudrait qu'on soit sur le terrain en train de sculpter l'évolution du monde, surtout le discours. Vous n'allez pas défendre un Trump qui est natif des États-Unis de tenir ce discours. Vous n'allez pas me défendre, moi qui suis natif du Cameroun, de tenir un discours qui va à l'encontre de la protection de mon peuple. Mais est-ce que ça a vraiment changé aujourd'hui? Il y a certains chefs d'État qui sont toujours aussi reçus par certains ambassadeurs au bas de la passerelle. Je présente les faits historiques. Il y a un chef d'État qui a refusé d'être reçu par un sous-préfet. Ça a été corrigé. Est-ce que ce n'est pas vrai? Bon, maintenant, s'il continue à ne pas prendre ça comme étant des faits historiques et qu'ils doivent intégrer à l'intérieur de leur mécanisme de déploiement sur la scène internationale, il y va tout de leur faiblesse. Il y va tout du dénigrement de leur poste de représentatif en tant que chef d'État d'un pays. Donc, il y a des faits qui parlent. Sankara l'a fait et on a corrigé. Et Sankara l'a fait, il n'avait pas 70 ans. Hein. Ce mec avait moins de 35 ans quand il créait les sueurs froides à un papa comme Mitterrand. Vous ne pouvez pas oublier les jeux verbaux que Sankara avait contre Mitterrand. Où Mitterrand lui répond que je comprends ta jeunesse. En fait, il lui disait que j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas grand-chose de ce qui se passe dans mon précaré français. Il en est justement été assassiné. Il faut pas oublier également que l'assassinat de Sankara, pour revenir à la question plus tard, était une conspiration. Ça pas que l'a bien décrit maintenant, mais il y avait un trophée de guerre. Il s'est dit qu'il y avait un trophée de guerre après la mort de Sankara. C'est justement Chantal Compaoré. Il ne faut pas oublier qu'elle serait née soit du Fouet Boigny, soit aurait grandi dans la cour du Fouet Boigny.
et qu'après la mort de Sankara, ça a été un trophée de guerre qu'on a accordé à Blaise Compaoré pour sceller cette union de la disparition d'un ami qui est avec qui on avait presque tout fait, y compris partager le lit dans les moments les plus difficiles comme la formation de l'ENIA ici au Cameroun. Mais si on ne va pas également oublier que Thomas Sankara est mort, hein, il faut le dire, en 87 à l'âge de 38 ans. Précision faite. Voilà. À l'âge de 38 ans, puisqu'il est né en 1949, il est mort justement ce 15 octobre 1987. Je vais me tourner vers vous, hein, Patrick Sapac. Jusqu'à preuve de contraire, on a eu l'impression, d'ailleurs en 2014, c'est les populations burkinabées qui prennent l'initiative de bouter dehors Blaise Compaoré, qui avait oublié justement ce qu'ils avaient fait pour leur nation. Parce qu'à un moment donné, parfois, au départ de la révolution, on est d'accord, mais en plein milieu, on voit d'autres enjeux, celui peut-être d'avoir de l'argent. On regarde plus l'argent. Tout à fait. Et je voudrais rapidement reprendre le script pour l'exemple qui doit illustrer justement le caractère persuasif de notre argumentaire. C'est que Paul Biya, en 2012, il a été reçu par l'ambassadeur du Cameroun, de France au Cameroun. C'est-à-dire qu'il se déplace pour aller la rencontre entre les deux organisations patronales françaises et camerounaises, c'est-à-dire le MEDEF et le JICAM. Il va avec l'ambassadeur de France au Cameroun dans le même avion. C'est à lui que François Hollande demande d'aller recevoir son type à l'aéroport. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est Bruno Gant qui reçoit Paul Biya à l'aéroport. Donc, pour parler de la réciprocité et le caractère cauchemardesque de ces histoires sur la réciprocité des exigences diplomatiques et tout. Mais quand on revient sur justement le Burkina Faso, je l'ai dit que Blaise Sérial qui leur comparait restera l'illustration la plus historiquement prouvée du pense-pilatisme et l'État en Afrique ces 40 dernières années. Il n'a jamais eu le courage de reconnaître le certificat de vie et le certificat de mort de Thomas Sankara. C'est lui qui a impulsé pour dire qu'il a été, il est mort de suite, il est décédé de suite de mort naturelle. Alors que nous venons de décrire justement les contours qui ont entraîné l'assassinat de ce monsieur. Alors il a dit, je n'ai jamais rêvé de pouvoir, je ne vais jamais m'éterniser au pouvoir. Alors, il a organisé une escroquerie politique en 1988 dans ce qu'il a appelé lui-même transition, donc de 88 jusqu'en 91. Après la première et autre escroquerie est arrivée cette fois-là formalisée avec l'histoire du vent d'Est. Et il est resté là 5 ans pour la première fois, 5 ans encore pour la deuxième fois. Et puis en 2002, justement, intervient une modification à la Constitution qui a installé l'article 37 qu'il a lui-même promulgué. L'article 37 limitait les mandats présidentiels à 5 ans renouvelables une fois. Alors, il a fait 10 ans dans cette main lourde despotique sur le peuple africain, parce que l'assassinat de Sankara, vous savez, nous étions au lycée, on commençait encore le secondaire, nous étions étonnés que nos parents soient tristes ce matin-là, du 16 octobre. On ne comprenait pas très bien ce qui se passait parce qu'on avait encore l'insouciance de l'enfance ou encore l'inconséquence relative à l'adolescence. Eh bien, c'est aujourd'hui que nous comprenons. Donc, il est arrivé. Cet article 37, 27 ans plus tard, il a dit qu'il n'avait jamais levé de pouvoir. Donc, 27 ans plus tard, ils veulent lever dans le palais de Kossiam, c'est comme ça qu'on appelle le palais au Burkina Faso. Du côté Burkina Faso. Voilà, donc, dans le palais de Kossiam, des tractations commencent pour lever le verrou sur la limitation de ses mandats présidentiels, c'est l'article 37. Alors, il le faisait parce qu'il y avait une mission qu'il avait. Il avait déjà joué un rôle fondamental pour tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est-à-dire servir de base arrière pour encadrer la rébellion qui est descendue pour faire à Gbagbo. Vous étiez en train de citer les leaders tout à l'heure, ce que tout le monde connaît. Et donc, lorsque le peuple burkinabé se rend compte, justement, par la faveur de la pédagogie, de l'expérience sur la gouvernance de ce Compaoré-là, décide de mettre un terme, parce que l'article 37, nous étions sur un autre média à l'époque, vous et moi, où nous avons mis sur la place publique justement cette mauvaise intention de toucher à l'article 37, ce qui a poussé le peuple burkinabé à sortir pour demander à ce monsieur-là de s'arrêter, parce que le Burkina Faso, c'était une république, ce n'est pas une monarchie, donc il n'a pas besoin de décider à la place des Ivoiriens, à la place des Burkinabés, de la limitation des mandats présidentiels ou à lever le verrou, parce que c'est un élément fondamental du pacte social entre les gouvernants et le peuple. Donc il ne faut pas l'ensevelir, ils sont donc sortis en masse pour demander à ce monsieur de s'évaporer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, Sylvie Jolingos? Il a été accueilli par celui qui elle a permis d'arriver au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara.
au niveau de la Côte d'Ivoire, on lui a donné la nationalité ivoirienne et il a même été ambassadeur du Moyen-Orient. Il n'a pas été, il est ambassadeur. Justement, je dis, il a été fait ambassadeur au niveau de Moyen-Orient. Donc, vous comprenez que ce sont des gens qui ne peuvent pas être portés sur la place publique comme des exemples. Parce qu'une nation ne se construit sur sa base référentielle historique que sur des modèles. Alors, quels sont les modèles que nous avons en Afrique aujourd'hui? Mettons d'abord de côté les chefs d'État, parce que eux, leur mission, c'est de présenter des gens un peu comme Kadhafi disait, c'est-à-dire des bonhommes qui courent à tort et à travers sur un espace vert, avec des culottes, et on leur donne autant d'argent. Je parle des footballeurs, avec tout le respect que j'ai pour le football. Et c'est, le football n'a jamais permis à quelqu'un d'envoyer son enfant à l'école, vous comprenez? Mais c'est ça qu'on utilise comme le pium du peuple pour mettre les gens à l'écart. Des dossiers, vous êtes au Cameroun, où un leader est gardé en assignation de résidence, alors qu'il y a des problèmes publics qui interpellent le gouvernement. Donc, on est en train de distraire les gens avec des histoires d'un leader politique qui n'a rien à voir avec les politiques publiques eux-mêmes. Ils ont promis aux populations. Donc, voilà la stratégie de l'esquive qui permet que, lorsque vous parlez de panafricanisme, où on colle le statut de panafricaniste à tous les chefs d'État, à certains chefs d'État, donc je ne sais sur quelle base, vous savez. Peut-être parce qu'il y a eu de l'argent aussi. Mais bien évidemment. Le panafricanisme gombotique. Voilà, c'est donc de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que. C'est pour ça que. C'est bien de relever que. DBS doit partir sur une autre. Si vous avez des panafricanistes de haut vol sur ces plateaux à DBS, c'est bien parce que la logique reste la bonne. Parce que le jour où la logique va être la mauvaise, eh bien, vous n'allez plus voir un seul panafricaniste. Ah, bien sûr. Alors donc, c'est de ça qu'il est question. L'Afrique a trop souffert. Il ne faut plus bluffer le peuple africain. Personne ne va bluffer le peuple africain parce que nous sommes là derrière pour vérifier exactement qui fait quoi et justement pour sortir les éléments. Pour montrer qu'on est panafricaniste, mais c'est clair, Steve Zuzangos, nous les citons tous les jours, les accords de coopération uniques, donc il faut rompre avec le franc CFA, une monnaie de singes qu'on ne connaît nulle part, il faut rompre avec ce compte des opérations qui continuent d'abriter les avoirs extérieurs des pays d'Afrique francophone, parce que c'est ce compte extérieur qui permet justement de manipuler les échanges internationaux, et il faut rompre avec le contrôle des banques centrales qui sont contrôlées par la Banque de Paris, parce que les banques centrales BCAO, BA, etc., ou encore la Banque islamique des Comores, c'est des gigantesques institutions bureaucratiques qui ne peuvent produire aucune politique monétaire, et les gens sortent avec des costauds de veste pour dire « non, je travaille à la BA ». Ils travaillent à la BCAO, alors qu'ils vont là-bas prendre cette monnaie de singes pour faire croire aux Africains qu'ils travaillent pour eux, alors que c'est totalement du pipeau. Donc, il faut regarder le fonctionnement. Bon, maintenant, il y a des chefs d'État, par exemple, comme Obiang Nguema. Patrick, il ne faut pas oublier la langue française. Oui, mais ça, ce sont des... On va revenir. Messieurs, allons-y rapidement pour sortir de là. Francophonie, Commonwealth, des choses comme ça, c'est pour ça qu'il y a jamais. Au niveau de la Gambie, il a demandé qu'on arrête tout ça et on va rentrer dans la culture musulmane là-bas. Mais on a ramené un autre bandit, hein, Adama Barrow, qui est venu remettre tout ça en place. L'homosexualité et tout ce qui va avec. Donc, quand on se retrouve avec ces dirigeants-là, eh bien, vous allez voir que Obiang Nguema est arrivé dans le franc CFA à la faveur du fait que Oufouedouani et Omar Bongo lui ont dit « Bon, comme tu viens d'hériter d'un pays totalement délabré sur le plan économique avec Mathias Nguema qui n'a pas pu gérer cette révolution-là, eh bien, entre dans le franc CFA. » Donc, il a tué, il ne faut pas oublier. Oui, entre dans le franc CFA parce qu'il y a la garantie monétaire. La garantie monétaire... Alors que la France ne peut garantir aucune monnaie. Même l'euro, ce n'est pas la France qui fabrique l'euro. Donc, elle ne peut pas garantir justement les échanges. Parce que vous savez que le franc, ce n'est pas l'un des piliers. C'est que cette garantie monétaire doit permettre qu'on apporte des devises aux pays africains qui n'ont pas suffisamment de devises pour leurs importations. C'est cela, le sens de la garantie monétaire. Alors que ça n'existe nulle part. Vous souvenez donc au Cameroun, pour ceux qui sont camerounais, eh bien, on a refusé de donner un peu d'argent au Cameroun justement pour financer certaines de ces importations parce que le Cameroun avait acté justement cette demande-là au niveau des Paris. Donc, derrière ce Obiang Nguema, lorsqu'il est rentré, mais il y a un article 17 dans les accords monétaires revus de 72 et 73, respectivement à Brazzaville et à Dakar, qui précise que lorsqu'un chef d'État se sent lésé dans cet accord et qui sent que cet accord lui est préjudiciable, il peut le dénoncer et puis mettre en place des passerelles intermédiaires pour la convergence et le réajustement macroéconomique et présenter une nouvelle monnaie. Ça, c'est dans les accords monétaires de 72 et 73. Alors, mais ça, c'est pour plaire à l'opinion, puisque derrière, on signale le chef d'État. Celui qui tente de parler de ça, eh bien, son pouvoir, c'est terminé. C'est pour ça que jusqu'à date,
Nous avons des chefs de canton qui sont là, déguisés en chefs d'État, qui ne peuvent pas toucher et le franc CFA, et le compte des opérations, ou encore l'autonomisation des banques centrales. Donc, c'est ici qu'on lit le panafricanisme. Donc, il ne faut pas sortir dans des plateformes tribuniciennes pour raconter tout et n'importe quoi. C'est de cela qu'il est question. Celui qui s'amuse à coller le statut de panafricanisme à un anti-panafricaniste, eh bien, c'est son problème, parce qu'ils vont être tous liquidés sur la place publique. Merci beaucoup. Patrick Sabar, merci beaucoup. Albert Anatola, ici, où en est-on justement avec les conclusions de l'enquête sur la mort de Thomas Sankara? Où en est-on justement également avec son corps qui devait être inhumé? Où est-il même d'ailleurs, pas jusqu'à preuve du contraire, la famille de Thomas Sankara a toujours réclamé à corps et à cri, il faut le dire, hein, la dépouille de leur père, de leur frère, de leur grand homme, en tout cas, en la personne de Thomas Sankara. Écoutez, il faut déjà indiquer que l'assassinat de Thomas Sankara, c'était un assassinat politique. Oui. Dont le commanditaire, c'était le dirigeant français de la France à l'époque, notamment M. Mitterrand. François Mitterrand, qui venait de prendre le pouvoir justement en 1981. Un autre dirigeant français a fait la promesse de déclassifier certaines affaires, certains dossiers de crimes politiques sur le continent, d'hommes politiques sur le continent africain. Donc, le dossier de Sankara en fait partie. Alors, est-ce qu'il faut donc attendre que c'est le bourreau qui déclassifie ces dossiers-là? Je ne pense pas du tout. On n'a pas terminé son allaitement maternel. Je ne pense pas. Ce n'est pas le bourreau qui va déclassifier ces dossiers. C'est de la responsabilité, pas seulement de l'institution judiciaire panafricaine ou burkinabé, de le faire. C'est également de la responsabilité des hommes politiques aux Africains, du monde panafricain, ou panafricaniste, de le faire, et surtout des hommes politiques burkinabé de le faire. C'est de la responsabilité de la société civile burkinabé de le faire. C'est de la responsabilité des intellectuels de le faire. Et c'est également de la responsabilité des médias. Nous le faisons déjà en faisant pression justement sur des politiques pour que cela soit fait. Parce que si vous attendez que ce soit Paris, si vous attendez que ce soit Paris qui le fasse, ce ne sera jamais fait. Donc aujourd'hui, pour répondre de manière définitive à votre question, c'est le statu quo judiciaire. C'est toujours un statu quo. C'est le statu quo judiciaire. Pourtant, on avait dit la dernière fois qu'on allait justement sur la dépouille pour voir si un temps soit peu avec les ADN, si c'est lui justement qui était enterré à l'endroit. Nous avons cru à un moment donné qu'avec, n'est-ce pas, le changement de pouvoir du côté du Burkina Faso, la lumière allait être faite, n'est-ce pas, dans ce dossier-là de procédure. Malheureusement, même avec l'arrivée de Christian Kaboré, c'est encore le statu quo. Allez comprendre pourquoi. C'est très facile à comprendre parce que justement, il n'est pas panafricaniste. Christian Kaboré n'est pas panafricaniste. Donc, Marc Christian Kaboré. J'ai eu la chance d'échanger à la suite de Haïti avec Marianne Sankara qui m'a dit, je suis en train d'apporter de l'eau à votre moulin. Marianne Sankara qui m'a dit qu'elle est au bord de l'AVC pour ce problème-là, parce qu'elle ne peut même pas indiquer exactement ce qui s'est passé. Elle ne peut pas lui dire à ses enfants justement où est enterré leur père. Allez-y, Albert Anatola. Justement, donc, je pense donc qu'il est de la responsabilité du régime burkinabé actuel de faire la lumière dans cette affaire. Mais malheureusement, il ne peut pas le faire parce que justement, Paris est dans les parages. Voilà. Mais pourtant, Paris, avec Emmanuel Macron, ils ont déclaré au fond qu'ils ont déclassifié justement le dossier. Combien de déclarations Emmanuel Macron a fait sur la déclassification des dossiers compliqués de la France sur le continent africain? Est-ce qu'il a tenu sa parole? C'est tout. Allez-y, on vous suit. Est-ce que Macron a respecté cette parole-là de déclassifier justement la plupart des dossiers compliqués de la France sur le continent africain? Ils n'ont pas intérêt à le faire. Ce n'est pas Macron qui doit décider de le faire. Il appartient aux régimes africains de le faire. Du moins, ce sont les nationalistes. On espère bien sûr qu'il y aura des nationalistes sur le continent africain. Messieurs, permettez-moi de lire des messages sur Facebook cette fois-ci. Bonjour le plateau, c'est Juliette Aurin. Armand Kouakou, bonjour Monsieur Sapak, j'attends votre prestation. Merci d'être sur ce plateau de DBS matin. Stéphane Sullivan, Onan à la cause de sa mort, le discours sur la dette du 29 juillet 1987 à Addis Abeba. Un discours impitoyable qui démontrait comment la dette et son service sont des moyens de domination du Nord sur le sud. Souleymanou Mandjombe dit bonjour DBS. Il y a également Gansonre. Aruna nous dit également bonjour. Dili Koutika, salut, je m'appelle Kone, je suis en France. Ça, c'est du jamais. Non, là encore, on parle de marabout. Stéphane Sullivan Nana, Sankara était entouré à la fois des naïfs et des traîtres qui ne comprennent rien de la géopolitique. Je conclus qu'il était venu au monde 38 ans plus tôt que prévu. S'il avait été né en tout cas en 1987, il serait sans doute sur notre plateau ce matin.
On espère bien sûr. Hein. Là encore, il y a encore les marabouts qui ont pris l'initiative de venir hein, sur la page Facebook. Marianne Gopondi nous dit bonjour. Bravo, monsieur Aïssi. Triple A, on vous dit bonjour. Apparemment, vous êtes très bien aimé. Alain Patrick Ikoumé vous dit également qu'il est avec nous ce matin. Annie Farron, je ne connais pas le fin mot de cet événement particulier. Je n'ai donc pas d'avis de valeur. Je m'informe pour me former une opinion. Le bonjour à tous. Une Française ordinaire. Christ Owen, bonjour DBS. Bourama Sissé, vive Africa. Paulette Touré, merci papa, l'amour pour son peuple. On s'arrête, on s'adresse justement à M. Issama. Paulette Touré qui vous envoie des cœurs d'ailleurs. Bon, là encore, on a des marabouts. On a dit l'amour pour le peuple, on n'a pas dit l'amour. Non, arrêtez. Marcel Amateo Alonso, Paulette Touré, salut, je suis. Enfin, non. Messieurs, on a de gros problèmes en tout cas sur la page Facebook ce matin avec nos amis qui viennent là pour leur gombo. Karine Kwame, Annie Varon, Otep, Annie, en effet, cet événement abject, l'assassinat de Thomas par l'État français et la Sankara, tout comme bien d'autres, sont bien cachés par l'État français, aux Français ordinaires comme vous. Mais un peu de curiosité et de recherche vont vous éclairer afin de comprendre les enjeux de la France-Afrique, bien à vous. Et bien sûr, j'espère qu'elle a reçu cette réponse de notre consoeur et surtout de notre téléspectatrice. Irine Inri Femi Johnson-Joy dit bonjour et surtout bonsoir. Christophe Tong Guimau, c'est toujours pareil aujourd'hui. Nous en sommes conscients désormais. Cette stratégie des Blancos du Nord ne pourra plus marcher si toute l'Afrique écoute DBS. Merci à vous, Christophe Togino. Merci également à vous, Mégane Image. Magnifique sujet ce matin. Emmanuel Mekongo, bonjour. Là encore, on a, comme d'habitude, Paulette Touré, salut, excusez-moi de cette manière de vous contacter. Je viens d'apercevoir votre groupe et je me suis dit que vous êtes des personnes qu'il me faut. Eh bien, là encore, Lionel Mungan, bonjour le plateau. Le président Biya n'a pas eu besoin d'un référendum pour ne pas reconduire les accords de défense et de coopération, que M. Issama soit conséquent. Comment un soi-disant panafricaniste a pu soutenir le MRC et son leader qui dit avoir pour modèle Ouattara un pion assumé de l'Occident, Lionel de Soa. Apparemment, on vous traite d'être du MRC et de soutenir Alassane Draman Ouattara. Rapidement, en quelques secondes. Je ne peux pas soutenir Alassane Draman Ouattara et je suis très mécontent déjà de savoir que Thomas Sankara peut enseigner aux Africains qu'il faut d'abord prendre le peuple à bras le corps, le conscientiser. On ne peut pas lancer une révolte dans un peuple qui est ignorant. Et je suis très content d'avoir participé à cette campagne présidentielle. Malheureusement, le leader n'a pas encore pris la mesure de l'éducation du peuple ignorant, raison pour laquelle il y a effectivement ces petits frottages. Mais je pense, pour ma part, nous sommes en Afrique et que chacun soit libre de prendre les initiatives d'éduquer l'Afrique et qu'on voit les résultats. Donc vous n'êtes pas du MRC ? Je suis ici. Ouais. C'est la question. Faut qu'ils arrêtent ça. C'est terrible. On n'est pas là pour ça. Monsieur, la question ne s'adresse pas à vous. Ce que je souhaite dire, lorsqu'on éduque un peuple, on est du camp de ceux qui sont éduqués. Et je suis très content d'être du camp de DBS déjà, qui éduque les populations. Merci. Et je rappelle que chacun d'entre nous sera comptable. La preuve, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un sujet que si tous les leaders politiques dont vous avez parlé des formations politiques auraient peut-être eu justement à écouter, ou alors à suivre les exemples. Parce que moi, je pense que le plus important n'est pas d'accéder à un pouvoir, mais c'est d'éduquer son peuple. Merci beaucoup, André Blasi Sama. Fabrice Yomi, bonjour, dit bien ce matin. Après 30 ans de l'assassinat du président Thomas Sankara, la révolution est en marche aujourd'hui avec la chute de Blaise Compaoré depuis 2014. Mohamed Tamboura, magnifique. Habiba Akila, Riachi Medzai, dommage la perte de ce beau modèle qui était Sankara, intelligent, efficace et bel homme en plus. Salutations de la Suisse. Boubert Manoua, Basile, bonjour. Quand j'entends le nom Thomas Sankara, ça me rappelle le nom de Jésus qui prédit sa prochaine mort. Thomas, tu es un messie. Basile Bamernanoa depuis Accra, du côté du Ghana. Christophe Tonguino, bonjour Dibié. Je ne comprends pas comment la France peut-il raconter l'histoire de mon village d'Afrique. Tout ce qu'il raconte n'est que mensonge. Il diabolise nos leaders et nos cadres. Ils ont mal raconté. Oui, je pense que c'est ça. Et ils ont mal raconté notre histoire. L'Afrique doit se réveiller et écrire son histoire, défendre ses héros, ses richesses et
on en a marre. Merci DBS, vive les hommes, comme Thomas Sankara, Christophe depuis Guinée, la Guinée Conakry. Général Le Cœur, le Lion, Afrique Média, dit que Paul Biya est panafricaniste, la vraie sorcellerie. Voilà. Alors que Paul Biya lui-même ne sait même pas ce que c'est que le panafricanisme. Sylvain Pierre Foucault-Kandemga dit également bonjour. Sylvain Desno a aussi dit bonjour, lui également. Général Le Cœur, de Lion, l'Afrique, Afrique Média nous a bluffé et que ce n'est pas le... Est-ce que ce n'est pas le même piège avec DBS? Nous avons déjà peur des télévisions camerounaises. Non, ne vous inquiétez pas. Et Samarou a bien demandé, nous y veillerons. Ah, et Samarou a d'ailleurs répondu à cette question. Vous allez veiller en tout cas à regarder DBS. Messieurs, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. C'est un plaisir, comme d'habitude. Patrick Sapak, très merci. Bon week-end à toute l'Afrique. Bon week-end à vous également. Il faut retrouver les familles, hein, absolument. Oh. Oui. Et se ressourcer après une semaine, justement, de diffusion des éléments de corps de compréhension. Merci. De ce combat qui nous lie tous sur ce plateau. Eric Bemabika, merci également d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir suivi. André Blaise Sama, merci également d'avoir été là ce matin. Et je remercie également tout comme Général Cœur de Lion qui a encore écrit quelque chose. André Blaise Sama est un excellent panafricaniste, c'est notre héros national. En fait, je ne pense pas que notre génération doit se mettre en dehors de cet héroïsme. C'est notre génération qui est héroïque. C'est une chaîne de télévision comme DBS qui est héroïque. Donc pour moi, ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. Et un c'est combat. Collectivement que nous devons réclamer des réparations et c'est là où nous serons des héros. Merci beaucoup André Blaise Sama d'avoir été là ce matin. Merci également à toute l'équipe technique, à la direction, aux directions, à la direction des programmes, de l'information, à la rédaction. Merci d'avoir été des nôtres également, à tous les techniciens, les caméramans, à la réalisation. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, n'ayez point peur de la mort, le combat continue. Bon week-end à toutes et à tous et à lundi. S'il vous plaît, adieu. Au revoir.